Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau live histoire, voilà comme vous le savez rendez-vous du mercredi, que ce soit documentaire ou aussi entretien avec des, des historiens et historiennes ce soir, euh, voilà c'est un rendez-vous qu'on a depuis un moment maintenant tous ensemble, le dernier live histoire qu'on avait fait ensemble c'était avec Nicolas Patin sur l'histoire de, de, de Kruger, j'espère que vous vous en souvenez, que ça vous avait plu, on en avait beaucoup parlé et reparlé après, après justement, euh, donc j'espère que vous allez bien, je vous vois évidemment dans, dans le chat, on fait une émission en plateau aujourd'hui bien sûr et ça va être, ça va vraiment être très cool le cadre est nickel pour cette pour cette émission émission Spéciale, particulière, puisque eh bien, je vous en avais parlé. Euh, je vous avais dit que justement euh, cette année, euh, c'était les 60 ans des accords déviants et donc euh, les 60 ans de l'indépendance de l'Algérie. Ce sera en juillet, euh, en juillet prochain. Et je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir faire un live, euh, un live sur ce sujet, de répondre à, ces, à, à vos questions, parce que c'est un sujet qui euh, a été pas mal dans l'actualité euh, ces dernières euh, semaines. Et c'est vrai que euh, peut-être que ce soit par euh, le, la famille, euh, par, nos, par euh, certains de nos grands-parents qui ont fait euh, peut-être l'Algérie. Ou aussi parce qu'on a entendu au lycée. On connaît cette guerre, mais peut-être que peut-être il nous manque certains éléments pour mieux pour mieux la, la, la comprendre. Euh, donc pour en parler euh, aujourd'hui, on a la chance de recevoir une historienne, euh, Raphaël Branche, donc qui est avec moi. Bonjour Raphaël, comment ça va Ça va bien, merci. <laughs> merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être venu. Non, c'est un plaisir. C'est vraiment trop chouette, ouais, en tout cas, que, que tu sois venu, qu'on va pouvoir discuter justement de, de la guerre d'Algérie, qui est ton sujet de, sujet de, de recherche ouais. depuis longtemps maintenant, sujet de thèse. Tu l'as vu sous différents angles. Alors, tu es professeur à l'université euh, Nanterre-Paris, oui. euh, professeur en histoire contemporaine, euh, et tu as écrit un livre qui s'appelle Papa, Qu'as-tu fait en Algérie, donc, euh, qui revient sur, euh, on va dire, euh, le... Euh, sur euh, Qu'est-ce qu'on fait justement ces, ces, ces jeunes, ces jeunes hommes en, en, en Algérie et plus largement aussi sur leur. C'est un, un livre sur aussi la transmission également avec les familles. Ouais, c'est famille surtout sur un, sur un livre sur la euh, transmission. C'est un livre sur qu'est-ce qu'on s'est raconté dans les familles françaises en fait. Mmh, c'est ça. C'est un livre sur euh, les hommes ont fait la guerre et voilà. Et après. Qu'ont-ils ramené avec et eux Qu'est-ce et... qu'ils ont ramené avec eux, exactement, dans leur tête, raconté. dans leur comportement, dans leurs addictions C'est ça. Ouais, et et qu'est-ce qu'ils n'ont pas raconté aussi, des fois Tout ça. Et, et ça, justement, tu, 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 tu y reviens. Donc, euh, et aussi, et ça, c'est très rigolo parce que euh, moi, l'Algérie, euh, donc il y avait des, am des amis qui sont profs d'histoire qui m'ont dit ah, tu as fait un sujet sur l'Algérie, etc. Mmh. Tu verras. Euh, moi, j'essaie de faire étudier une musique de médine à mes, à mes, à mes ouais. lycéens, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc il euh, faut vraiment que tu, que, tu, que tu regardes ça. Donc j'ai fouillé et puis il y a un excellent. Euh, moi, J'en avais parlé en live, hein, je vous l'avais dit, il y avait une série de six épisodes euh, d'Arte qui ont été faits sur la guerre d'Algérie. Et c'est toi qui as écrit justement ce, ouais. ce documentaire, <laughs> ce documentaire qui, était, qui ouais. est disponible sur Arte Replay, si vous ne l'avez si pas vu. Moi, j'ai regardé alors, ces, ces six épisodes de 52, de 52 minutes oui. sur euh, vraiment toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Alors évidemment, on pourrait, ça pourrait durer encore plus longtemps, j'imagine. Oh, mais, voilà, ouais. mais en tout cas, pour euh, ceux qui ne l'ont qui pas vu ou ceux qui découvrent, je vous invite vraiment à aller regarder euh, cette, cette série de six épisodes ordinaire du, mmh. du soldat ordinaire etc. et donc euh, on a d'abord eu ce, ce désir de, de voilà récupérer essayer de, de collecter un maximum de, de, de voix mmh. d'en bas et, euh, et à partir de ça de fabriquer le documentaire donc la matière première de cette série c'est la voix des gens. Mmh. Et après, c'est un documentaire d'histoire, donc, euh, donc, euh, moi, je, je fais le texte de, de la voix off euh, avec le réalisateur, et puis il y a des archives. Évidemment, il mmh. y a beaucoup d'archives, mais la matière première, c'est vraiment euh, faire une chorale. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que dans une chorale, on a toutes les voix. C'est-à-dire que les voix ne sont pas écrasées les unes par rapport aux autres, et, et en même temps, on les comprend les unes par rapport aux autres, justement. C'est-à-dire mmh. que euh, le, le, je sais pas moi le. Le petit garçon qui raconte qu'il euh, ne peut pas aller à l'école parce qu'il n'a pas de chaussures. Mmh. Euh, il est, il est... Son histoire, elle a du sens en elle-même. Mais quand à côté, on entend un autre petit garçon qui lui raconte que, bah oui, il va à l'école comme son grand frère, comme son père, comme ça, et que la différence, c'est qu'il y en a un qui est français et l'autre qui est algérien, ça prend un autre sens. Et donc, c'est cette dimension euh, chorale auquel on tenait beaucoup, ce qui fait que le, la série est hyper dense et que ça a été un crève-coeur parce qu'on a renoncé à plein de choses. Et elle est dense parce que... Mais on, pourtant, on, elle, est elle est super elle est dense. Très je dense sais. Parce que moi, du ouais. coup, j'ai vraiment redécouvert le sujet à ce moment-là. Moi, j'avais étudié... En gros, moi, mon, mon grand-père n'a pas fait l'Algérie. Moi, j'avais une famille de militaires, et on va le ouais. voir. Donc, du coup, c'était plus de contingents qui étaient envoyés, et moi, j'avais plus une famille de militaires... De carrière. Euh, de carrière. Donc, du coup, ce qui fait que je n'ai pas eu du tout de discussion autour oui, de l'Algérie. La, de, oui. de, 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 de et donc, moi, quand je découvre vraiment le sujet de l'Algérie, c'est à travers mon cours de, de lycée. Et euh, je sais pas pour vous dans le chat, mais moi, en gros, je l'ai fait un trimestre, un petit trimestre. Oh oui, même. Et bac euh, scientifique 2013, l'Algérie est tombée. Okay. Euh, je n'ai même pas été capable de donner les, les dates de l'Algérie à ce moment-là. <laughs> j'ai quand même eu 14, mais <laughs> ne me demandez pas comment est-ce que j'ai fait, mais, mais voilà. En tout cas, bon courage à ceux qui ont passé leur bac et qui ont commencé le bac aujourd'hui, oui. euh, aujourd bien sûr. Où l'Algérie était au programme, d'ailleurs. Oui, ah, oui c'est ouais, vrai, il faudrait que faudra je regarde les sujets. Les on débriefe les sujets ouais. euh, d'ailleurs. Ouais, ouais. La mémoire, tout à fait, exactement. Ouais, ouais. Et ben justement, en parlant de mémoire, euh, c'est souvent quand on parle des sujets euh, qui font encore beaucoup euh, parler. Et on l'a vu, évidemment, avec notamment ces dernières années... Macron qui a réveillé notamment le, la mémoire de certains, de certains pieds noirs. Oui. Euh, comment est-ce qu'on arrive, à en, en tant qu'historien, à se faufiler entre des, parfois des mémoires qui s'entrechoquent euh, et parfois assez, assez violemment Alors, heureusement qu'on ne sait pas de se faufiler. <laughs> non, non, je pense qu'il y, y a plusieurs questions, mais là, il y a un enjeu hyper important qui est de faire comprendre aux gens quand on fait de l'enquête orale. Quand on fait de l'histoire et qu'on va voir des gens, ça s'appelle faire de l'enquête orale. Donc, on recueille leurs témoignages, mais on le recueille. Ce n'est pas une discussion. Il mmh. y a quelqu'un qui raconte et l'autre qui, euh, qui accouche la parole et qui la recueille. Et donc il faut faire entendre déjà aux témoins euh, la place de l'historien, de l'historienne. C'est quoi Souvent les gens nous demandent, et vous, vous en pensez quoi Mais nous, on n'en pense pas quelque chose. On, on a une parole scientifique sur la réalité. Et elle est aussi nourrie euh, d'une réflexion sur ce que nous disent les gens. Mmh. Donc voilà, et après, c'est vrai que dans un débat, par exemple, public, comme ça peut m'arriver très souvent, où il y a quelqu'un dans la salle qui dit Mais moi, j'ai raison parce que j'y étais, et il y a l'autre qui dit Mais moi, j'ai raison aussi, mais ah oui, j'étais aussi. ailleurs, mais j'y étais voilà. aussi. Et quoi. moi, je ne suis pas là pour donner des bons points, en fait, mais juste d'expliquer pourquoi on peut avoir le sentiment qu'on a raison les deux, que ce n'est pas forcément contradictoire, mais simplement, ce n'était pas exactement le même âge, le même endroit. Mmh. Le... Voilà. Et, donc, et après, le travail, c'est. Avec les mémoires, c'est comme avec n'importe quelle source, en fait. Quand on fait de l'histoire, on travaille toujours avec des sources. Et donc, les sources, c'est les archives, mais c'est les journaux, c'est. Voilà. Et donc, les mémoires sont des sources. Donc, on se faufile pas plus entre les mémoires qu'entre les sources, mais on essaye de les comprendre et de les évaluer. De les évaluer parce que le temps passe, parce que évidemment, le passé bien aussi sûr. fait son œuvre. Alors qu'on se dirait qu'une archive, c'est fixé sur le papier. Bien sûr, c'est la différence fondamentale, bien mmh. sûr. Euh, mais, mais cette différence fondamentale ne fait pas un changement de nature. Ça reste une source pour l'historien, l'historienne. Et il faut lui poser les mêmes questions que toutes. C'est-à-dire qu'un rapport de préfet, euh, un discours de président de la République, ça peut être plein de mensonges. Mmh comme euh, les souvenirs d'un vieux monsieur euh, 60 ans ou 70 ans après. Donc, voilà, c'est pas, pas ce que c'est qui fait que c'est plus vrai. Oui. Après, on a une capacité à, à comprendre et à, et, à, et, à, et à jauger, justement, à évaluer. Puis ce qui est génial avec les gens vivants, c'est que, ben bah, voilà, on n'est pas d'accord. on mmh. n'est pas d'accord, on ne on comprend pas quelque chose dans ce qu'ils disent. Et ben, on, on repose une question, mmh. on leur demande s'ils ont pas un document. Euh, quand on ne comprend pas un truc dans un rapport... Euh, de préfet des années 50, ben, il faut qu'on trouve ça. la solution tout seul. Quoi. Donc ça, c'est assez différent. Et alors justement, alors, vous, 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 tes recherches, elles sont, euh, elles sont aussi axées sur quelque chose qui est intéressant et qu'on a un petit peu évoqué aussi sur la chaîne, mais avec euh, une idée de pensée aussi qui s'appelle les Subaltern Studies. Oui. Donc c'est une, une, une école, on va dire, historique qui, qui est née en Inde, si oui, je ne m'abuse, et qui a pour but de travailler sur euh, la classe des dominés par rapport aux dominants. Oui. Comment est-ce qu'un dominé peut être, enfin, est naturellement une source d'histoire, mais comment est-ce que on peut aller l'étudier parce que souvent eh bien, les sources liées justement oui. à la classe dominée euh, viennent justement du dominant et souvent le regard qu'on a dessus ou les recherches qu'on peut porter dessus passent forcément par le prisme du dominant sur, sur le dominé mmh. et pour le coup l'Algérie c'est un sujet qui s'inscrit quand même pas mal, pas mal dedans bah Les, les subalternes subaltern c'est une invention des spécialistes de l'Inde coloniale britannique mmh. donc c'est né en anglais euh, et ça vient de, de l'Inde alors qui a un contexte archivistique et historique particulier, mais en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui a complètement essaimé. Et donc, on les appelle subalternes en français, mais peut-être dominés, ça serait plus juste. Enfin, en tout cas, voilà, c'est des gens qui sont dans la relation coloniale, en position dominée, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. De manière structurelle, ils peuvent éventuellement avoir accès à des postes de pouvoir par individu, mais structurellement, la colonisation, c'est la domination d'une minorité sur une majorité, mmh. et cette minorité, elle est caractérisée par euh, des différences notamment euh, d'origine. Et cette minorité qui est au pouvoir, elle produit beaucoup d'archives. Et donc le projet des subalternes, c'était de ce qu'on appelle les subalternes, des études subalternes c'était de dire euh, comment on va faire pour avoir accès à la voix des subalternes oui, dans ces archives-là. Mais en fait, ils ont trouvé, il y a deux options, en fait, assez différentes. La première option, c'était de se dire, on a été victime, il y a une illusion, on a été victime des sources parce qu'on est à Londres, parce qu'on est à, à Calcutta et qu'on n'a que des sources de l'État colonial, donc on a bossé là-dedans, mais il y en a d'autres des sources. On ne les a pas bien cherchées. Et les subalternes, ils ont écrit. Les Indiens, en l'occurrence, ils ont écrit. Ils ont laissé des traces. Ils ont photographié. Donc, il faut aller chercher les sources subalternes. C'était le premier élément de réponse. Euh, ne nous soyons pas dupes de la domination coloniale. Il y a une agentivité. Ça veut dire qu'il y a une autonomie d'action des subalternes. c'est pas que des gens soumis. Ils ont aussi une autonomie d'action. Ils se le sont débrouillés. Un peu pro... non, on, on a l'impression voilà, que tout est... est. Non. Ils, ils... Bon, donc voilà. donc Ils ont pu produire des sources. Pour l'Algérie, ça pose une question, ça renvoie à la question de l'alphabétisation, la, de à des oui. questions qui sont fondamentales, parce qu'il y a très très peu de gens alphabétisés en français et en arabe en Algérie. Donc de fait, on a une vraie question sur l'accès à l'existence de sources. Et comme de fait, il y a quand même une dissymétrie énorme des sources, mm -hmm. l'autre option des subalternes qui est euh, très, très stimulante, c'est de dire en fait, dans les sources du pouvoir, il y a la voix des subalternes. Mm -hmm. Donc voilà, je, je prends un exemple contemporain, je ne sais pas moi, dans les archives de la justice. C'est classique dans les archives de la justice. On entend la voix des victimes, des victimes de la justice, des victimes où je ne sais pas, par exemple, je pense aux gilets jaunes en disant ça, dans, dans des PV d'interpellation. On entend la voix. Elle n'est pas directe, la voix. C'est pas un micro tendu aux gens. Donc, il faut essayer de comprendre à quelles conditions on peut dire qu'on l'entend. Mais en fait, elle est là. Et donc mise à un contexte qu'on allait voilà. Il faut décortiquer, vous faire un travail d'histoire, quoi, oui. d'historien. Mais euh, donc en fait, c'est ça. Les subalternes disaient. Lisez l'archive coloniale, mais allez chercher autre chose que l'histoire du pouvoir. Allez chercher la résistance. Allez chercher les, les, les manières de contourner. Allez chercher les les petits arrangements. Et, et ça a complètement stimulé toutes les recherches en histoire coloniale depuis les années 1980. Et puis le temps que ça arrive en France, parce que comme c'était en anglais, ça a mis du temps à arriver en France. <laughs> c'était plutôt les années 2000. C'était les années 2000. Et justement, bah, moi, j'explique comment est-ce que l'Algérie est, est, est arrivée ou en tout cas revenue, on va dire à mes oreilles ces dernières semaines. Comment est-ce que l'Algérie est arrivée justement dans le, le parcours d'une étudiante qui est-ce que c'était l'Algérie c'était déjà un sujet qui ah, t'intéressait ou est-ce que c'était ouais. un sujet qui t'est arrivé un peu dessus une fois la thèse lancée <laughs> Pas du tout. Alors moi en fait j'ignore où est l'Algérie. Je ne sais pas ce que c'est que l'Algérie jusqu'à euh, mes 15 ans mmh. parce que je grandis dans un tout petit village parce que j'ai aucun personne personne dans ma famille etc. Et à 15 ans, je découvre un livre qui est le livre de Pierre Vidal-Naquet, un très grand historien de la Grèce antique, mais qui est aussi un historien du contemporain, qui s'appelle La torture dans la République. Et je découvre que mon pays, euh, pendant la guerre d'Algérie, c'est un livre qui parle de la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Donc je, je découvre deux choses. La première, c'est que mon pays, la France, a fait une guerre. Euh, on est là, on est dans les années euh, fin des années 80, donc a fait une guerre 25 ans avant et que juste j'en ai aucune idée et qu'en plus c'est une guerre qui est quand même caractérisée par un certain nombre de violences assez sidérantes, sidérantes pour moi. Et au même moment je découvre un film euh, d'Alain Resnais qui s'appelle Muriel ou le temps d'un retour et qui est l'histoire d'un soldat qui revient d'Algérie euh, et qui n'arrive pas à reprendre sa vie. Et donc je vois les deux en même temps vers 15-16 ans. Et, euh, et donc là, et je me tourne. À l'époque, je n'ai pas encore décidé de faire de l'histoire, mais je vais le décider dans la foulée, en fait, de devenir prof d'histoire. Et, euh, et donc voilà, donc je commence à m'intéresser au sujet, mais vaguement comme ça. Et puis en terminale, en terminale je vais voir ma prof d'histoire et je lui dis Ça m'intéresse vraiment l'Algérie, la guerre d'Algérie, est-ce que vous pouvez me conseiller un livre Et à l'époque, il y avait un livre qu'elle a pu me conseiller il y avait un seul livre en poche. Donc, elle me l'a prêté, en fait, son livre d'histoire. Ouais. Madame Testenoir a prêté son livre d'histoire, euh, qui était hyper. Euh, C'était une politique très, très. Euh, très française, en fait. C'était une histoire française de la guerre. Mais bon, j'avais que ça à me mettre sous la dent. Et puis, voilà. Et puis, euh, Benjamin Stora a sorti, dans les années 90, au début des années 90, La gangrène et l'oubli sur la mémoire de la guerre d'Algérie. Et c'était au moment où j'étais à la fac et où je cherchais un sujet de maîtrise à l'époque, c'était pas une master et donc voilà, j'ai proposé à Benjamin Stora de travailler sur euh, avec lui sur la, les films, mmh. la représentation de la guerre d'Algérie au cinéma. Et puis euh, et puis voilà, c'était parti quoi. Mmh. Mais mmh. donc voilà, donc c'est une série de rencontres et puis voilà. Benjamin Stora aussi qui est, euh, je, qui est une référence aussi évidemment ouais. sur sur la guerre d'Algérie. Et j'ai lu aussi son <laughs> ouvrage euh, Comment euh, parler de la guerre d'Algérie, ou en tout cas justement il, il, sous une forme d'interview en fait il répond aux différentes questions qu'on peut se poser justement sur, sur, sur la guerre d'Algérie justement ça va être le... le maintenant but il y a de... plein de livres, hein. oui, il y en a à l'époque il y en avait pas, maintenant il y en, y en a plein bon. il y en avait plus, mais du coup euh, tu as une chance aussi de tomber sur quelqu'un qui était euh, au fait de ces recherches-là ah, bah, en fait, Ma prof, recherches -là ouais, aussi, hein. franchement cette prof d'histoire euh, enfin après ce livre a pas... En fait, ça n'a pas bouleversé ma vie parce que je l'ai trouvé un petit peu rasoir, pour dire la vérité. Mais, euh, mais voilà. Après, par le cinéma, moi, c'est vraiment le cinéma qui m'intéressait. Donc, euh, au début, je voulais travailler sur le cinéma. Euh, donc, le cinéma de la guerre d'Algérie, et, et j'aurais fait ma thèse sur ce sujet, en fait, s'il n'y avait pas eu déjà quelqu'un qui, qui était en train de le faire. Et donc, je me suis mise à travailler sur l'armée après. Euh, et voilà. Et maintenant, je travaille sur l'armée, sur la violence, depuis, mmh. depuis, depuis 25 ans. Mais euh, au départ, c'était d'abord une histoire de, de cinéma. Une histoire de cinéma et euh, ben bah, maintenant je fais des, des documents. Voilà, maintenant aussi, je donc, fais des euh, documentaires, do, ouais. donc c'est pas mal. Alors évidemment, n'hésitez pas vous à poser à poser vos questions. Il n'y a pas de questions <laughs> bêtes, il y a pas de questions. Non, non euh, On a déjà jamais. dit ou quoi. Si jamais un terme qui vous est pas qui est pas clair, en plus il bah, risque d'avoir des termes aussi euh, arabes. Peut-être que vous avez ouais. pas forcément euh, pas forcément. Ben bah, n'hésitez pas à poser à poser la question. Moi j'essaierai de contextualiser le plus possible, mais euh, s'il y a quelque chose qui vous échappe, si vous avez besoin de contexte, n'hésitez pas à poser la question, on vous lit évidemment dans le, dans le chat, donc euh, bien sûr, euh, n'hésitez euh, surtout pas. Euh, pour euh, parler en plus, pour revenir sur la guerre d'Algérie, il faut parler de l'Algérie. Euh, Exactement. Il faut parler de la France qui arrive en Algérie aussi, donc on va remonter un petit peu, je vous ai mis une petite frise chronologique pour qu'on se situe euh, qu un, un, un petit peu. Euh, la, la France arrive en Algérie en 1830. Oui. Et euh, pour vous donner un ordre d'idée, moi, c'est quelque chose qui m'a complètement... Euh, qui quand la guerre se déclare, donc en 1954, l'Algérie est française depuis plus longtemps que la Savoie. Mm -hmm. Et donc, il euh, y a quand même à ce moment-là, on se dit, c'est fou, ça fait euh, 120 ans que la France est euh, en Algérie. Comment ça se passe, cette arrivée euh, française en Algérie Qu'est-ce qu'il y a d'abord en Algérie à ce moment-là Et comment est-ce que ça se passe, cette arrivée euh... Alors... C'est la comparaison avec la Savoie ou avec Nice qui sont rattachés à la France en 1860. Mmh. Effectivement, on peut même faire la comparaison avec l'Alsace et euh, oui. la Moselle, hein, euh, qui n'ont pas été de manière continue françaises. Euh, mais ce n'est pas exactement la même chose quand même, parce qu'en en, en 1830, c'est juste des militaires français qui arrivent et qui s'installent vraiment autour d'Alger. Et en fait, l'Algérie française où se déclare la guerre en 1954, elle n'existe pas en 1830. En mmh. fait, il va falloir des décennies pour la mettre en place et des années pour ne serait-ce que politiquement décider. En fait, les... c'est un concours de circonstances qui fait que les Français arrivent en Algérie en 1830 et c'est une série de décisions compliquées, de discussions politiques en France. Il y a beaucoup de gens qui sont opposés. Qui, qui trouve ça complètement délirant en fait de partir en Algérie euh, à ce moment-là. Ah, C'est important. Pas, de le du tout la, pas du tout à la mode en fait à ce moment-là. La, la conquête coloniale, euh, ça va devenir la course à qui va prendre le plus de territoire en Afrique essentiellement euh, au XIXe siècle, mais ça va le devenir quelques décennies plus tard. Ah, oui. hein. En 1830, les Français sont euh, sont, sont très pionniers on peut dire ça comme ça. mais sont complètement décalés aussi. et euh, voilà, le, le, bien sûr que le, la grande-bretagne a l'inde hein, au même moment. mais voilà, en afrique, il n'y a pas vraiment de présence euh, de ce type là. et donc, euh, c'est très contesté en france. donc, il y a des débats hein, à l'assemblée hein, pendant sous la monarchie. mais quand même, pour dire, voilà, on y va ou on n'y va pas. on colonise ou on ne colonise pas. on colonise de manière restreinte ou on colonise de manière totale. les discussions politiques. D'un côté à Paris, et en Algérie, c'est la guerre. Parce que par ailleurs, les Français ne sont pas du tout accueillis à bras ouverts en Algérie. Donc il euh, y a un pouvoir, qui est un pouvoir ottoman, hein, qui, qui s'étend euh, sur une énorme partie du territoire, euh, jusqu'à jusqu la limite du Maroc, et puis évidemment euh, depuis, depuis la Turquie, donc c'est énorme. Donc l'Algérie, c'est les confins, donc c'est quand même euh, moins, euh, moins fermement tenu. Donc il faut d'abord battre les Ottomans, et ensuite la population algérienne, elle résiste en fait. Et elle résiste vraiment. Donc il y en a certains qui font des alliances avec les Français, parce que euh, l'ami de mon ami, etc. Et puis il y en a d'autres qui résistent. En particulier, euh, va s'organiser dans l'ouest de l'Algérie une révolte armée importante, euh, dont le nom que maintenant on connaît en France est euh, Abdelkader, hein, qui devient le, le synonyme de cette résistance, donc qui va, qui va fédérer euh, beaucoup de gens et qui va, euh, pendant plus de près de 20 ans, 20 ans, quand même, il faut mesurer ce que ça veut dire, euh, se battre contre la France. Alors, avec des pauses, etc. Euh, C'est le même Abdelkader dont on a parlé récemment, puisque dans les recommandations euh, mémorielles du président Macron, il y avait rendre hommage à la présence en France d'Abdelkader, puisque Abdelkader a été euh, vaincu mm -hmm. en 1847. Et dans le traité de reddition, la France lui avait promis. Il avait négocié, la France lui avait promis qu'il qu serait exilé, parce qu'on exilait les, les opposants de, ce, de cette nature-là, euh, en terre d'islam. Mais la France n'a pas tenu sa promesse. Et donc il a été exilé en France. Et, euh, et puis finalement, Napoléon III euh, a l'a a libéré de, 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 de sa résidence euh, à Amboise et il a fini sa vie euh, à Damas. D'accord. Euh, en terre voilà. d'islam. En terre d'islam. Euh, mais donc, Abdelkader incarne, nous rappelle qu'il n'y avait rien d'évident à l'Algérie française. Et donc, quand on dit depuis plus de 100 ans, oui, mais enfin, une terre qui était. Il euh, y a eu 20 ans de conflit, on était en train euh... de se battre, ouais. euh, où il y avait des colons qui commençaient à s'installer, mais ça ne se passait pas très bien pour eux parce qu'ils étaient, ils étaient en choc sceptique, en fait. Les conditions de vie. Et ça changeait euh, beaucoup, euh, Donc, il ouais, y a absolument. beaucoup de colons qui meurent, en fait. Il mmh. n'y a pas beaucoup de colons très motivés. Il faut quand même rappeler que la France. Colonies, euh... ben voilà, la France, en fait, elle a cette particularité euh, qui est que c'est le pays d'Europe qui a engagé le plus tôt euh, la transition démographique, enfin, une espèce de, de, de le contrôle des naissances, pour le dire autrement. Donc, la France ne connaît pas du tout ce que connaissent ses voisins, c'est-à-dire un trop-plein de population. L'Italie croule sous une population il y a un appauvrissement dans la, dans la paysannerie euh, italienne qui va être le stimulant à l'immigration massive des Italiens. Le, les Italiens aux états unis qu'on connaît, mais ils sont partout dans le monde parce qu'en fait, il faut qu'ils quittent l'Italie. Il n'y a, a pas de quoi vivre sur la terre en ouais. Italie. C'est pareil en Espagne. Ce n'est pas du tout le cas en France. Donc c'est un peu compliqué de se dire, on va lancer une super politique de colonisation. Colonisation, ça veut dire on met des gens qui cultivent le territoire, enfin qui exproprient, qui dégagent ce qui était, qui s'installent à leur place et qui le développent. Quand en France, il n'y a pas spécialement de problème. en Mais fait. Nous, on n'a pas besoin d'y aller. Voilà. Donc, euh... quand la colonisation va être finalement décidée au bout de 10-15 ans, il ben, n'y a personne pour y aller. Enfin, il y a des pauvres. Il y a les très pauvres qui ont envie d'y aller. Mais ça, personne n'en veut. Mmh. Donc, on essaye de, de, de limiter l'arrivée des plus pauvres. Et en fait, on va faire appel. Enfin, de fait, vont arriver euh, des Italiens, des Maltais, des Espagnols, très largement, et des Français. D'où le terme peut-être plus large, dit d'Européens d'Algérie. Voilà, c'est pour ça qu'on a gardé cette expression d'Européens d'Algérie que moi je trouve très compliqué à utiliser, que je n'utilise jamais quand j'ai fait une exposition, par exemple, pour les scolaires. Mmh. Euh, je la trouve très compliquée parce que les Européens, c'est euh, les Suédois, les, Autrichiens, Suédois les, Suédois les, les Hollandais, voilà. Mmh. On dit les Européens d'Algérie, en fait, ce sont des, enfin, ils sont Européens par leurs origines, mais la France va faire ce tour de passe-passe, euh, voilà, que, que le droit permet. Elle va fabriquer des Européens. Elle va fabriquer des Français. Mmh. Elle prend des Européens, elle les fait passer dans la moulinette du droit, et elle, et elle en sort des Français. Comme elle a pas assez de Français, elle prend les Européens, elle en fait des Français. Donc elle prend les Allemands, elle en fait des Français. Elle prend les Espagnols, enfin fait des Français, en disant qu'en gros, eux ils restent Allemands, ils restent je sais pas quoi, mais leurs enfants, s'ils sont nés en Algérie française, mmh. seront automatiquement français à la naissance. C'est le fameux droit du sol qui vaut pour la France mais qui vaut pour l'Algérie française, et qui a fait que tout d'un coup, il y a eu énormément de Français en Algérie. Mais d'une certaine manière, les gens ne l'ont jamais oublié, puisqu'ils continuent à parler d'Européens. Alors qu'en fait, ils ne sont pas Européens, ils sont Français à partir des années euh, du début du XXe siècle. Il y, y a quelques Espagnols qui restent, mais, ou quelques, mais, mais non, les gens sont tous Français d'origine espagnole, d'origine italienne, d'origine maltaise. Et, et donc, du coup, il euh, y a 20 ans, on va dire, de conflits Il euh, y, y a 20 ans pour la plus grande partie, et c'est encore pire pour la Kabylie. La Kabylie, qui est la montagne centrale du nord de l'Algérie, où la défaite de la Kabylie, c'est les années 1857. Mmh. Donc c'est carrément. Je crois qu on a une carte de l'Algérie. me semble, donc, que, euh, ouais. Très gens, grand hein, C'est très grand l'Algérie. Vous ou trouver nous sur Google. La conquête. c'est… – Comme ça, c'est vrai que les gens puissent un petit, ouais. peu, un petit peu resituer, un petit peu resituer. Donc oui, voilà, ça va durer longtemps. Ouais. Les colons s'installent petit à petit, mais c'est difficile. Et, euh, et donc, mais du coup, les gens posaient un peu la question. Quand est-ce qu'on parle, est-ce qu'on parle à ce moment-là, après quand les colons sont installés, de colonies, de départements mmh. mmh. C'est quoi le statut de l'Algérie au final ben, dans la série, euh, tout a commencé plutôt en Algérie, donc c'est différent d'ailleurs. Euh, en 1848, la deuxième république, donc on a euh, trois ans de deuxième république en mmh. France en 1848, euh, elle décrète que l'Algérie, le nord seulement, s'il y a une carte, c'est juste le nord, euh, c'est des départements français. Et le sud, ça va rester aux mains des militaires. Donc c'est pas des départements, c'est des territoires pour les militaires. Mais le nord, c'est des départements français. Et donc c'est une colonie à plein d'égards. On en reparlera peut-être. C'est une colonie parce que tout simplement euh, les gens ne sont pas tous égaux sur la même terre. Mmh. Donc c'est une logique coloniale. C'est une colonie parce que euh, c'est des gens qui sont venus de l'extérieur, qui se sont imposés par la force et, euh, et qui voilà, merci super, et qui ont, euh, et qui ont imposé leurs règles. Mmh. Mais administrativement, ce sont des départements français et politiquement aussi. Ça veut dire que concrètement, il y a des députés d'Oran, de Constantine. Qui siègent au Palais Bourbon, qui siègent à Paris, comme il y a des députés de Nice ou de, ou de Toulouse. Mais alors qui peut voter pour eux? Les Français. D'accord. Les citoyens français. Donc les Algériens. Ne peuvent pas voter, n'ont pas le droit de voter Alors voilà, non, parce qu'en fait, il y a aussi autre tour de passe-passe. Donc il y, y, y a la machine à fabriquer que, des Français que si, qui ne marche droit. que pour les Européens. Ah d'accord, parce ah que, bah que oui. coup, les Algériens des ah descendants bah oui. ne naissent pas euh, Français, d'accord. Parce que sinon, les Algériens sont tous dans Algérie, donc en fait c'est bon. Non, les Algériens, ils sont appelés les indigènes. Ils sont des indigènes, hein. il faut quand même rappeler, le mot indigène, ça veut dire euh, autochtone du pays, donc c'est pas une insulte. Hein. Ils sont des indigènes, ils sont des locaux, et eux, pour eux, on va dire qu'ils sont français parce que ils dépendent de la France. Mmh. Donc attention, on n'allait pas dire que vous êtes euh, lié au sultan, euh, euh, ottoman, par exemple. Non, vous êtes français, mais vous n'êtes pas citoyen. Donc ils bien. sont français, pas citoyens. Donc ils ne votent pas. Alors, il y a des petites exceptions. Il y a des voilà, il faut nuancer. En fait, c'est un peu plus subtil que ça. Mais le, le, la division fondamentale, c'est en fonction de votre origine. Vous êtes citoyen ou vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes tous français. D'accord. Voilà. Euh, mais il y a quand même une distinction. Euh, le droit, en tout cas, est là pour... Ah bah, euh, le droit faire est, cette un, est un élément de pouvoir, on le sait bien. Le, le droit, c'est le pouvoir, et le droit aux, aux colonies, euh, c'est lui qui dit bah, justement ce que vous avez le droit et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Et les droits et les devoirs ne sont pas les mêmes selon que vous êtes indigène ou que vous êtes français. Par exemple, vous ne payez pas les mêmes impôts. Il y a des impôts spéciaux pour les indigènes. D'accord. Voilà. Donc tout le monde est français mais il y a des Français plus français que d'autres. Plus français que d'autres. Mmh. Alors des, des régimes comme ça qui faisaient des distinctions parmi leur population, oui. que ce soit par leur origine, leur couleur de peau, euh, on, on le voit en Afrique du Sud avec l'apartheid par exemple. Est-ce que c'est la politique qui va se mettre en place entre du coup euh, Français, Européens d'Algérie et euh, indigènes euh, est similaire à quelque chose qu'on peut, enfin euh, quelque chose de similaire à l'apartheid Moi, je crois pas. L'apartheid, c'est une politique très précise en 18, 1948 en Afrique du Sud et on peut, on peut remonter euh, aux années 1910 avec une politique inscrite dans la loi euh, de discrimination euh, totale, d'exclusion totale, euh, notamment des terres. Et ce sont des pays ruraux, donc euh, quand vous, on vous exclut des terres, on vous exclut bah, de plein de choses, mmh. notamment d'une capacité à vous organiser, à vivre. Donc j'ai parlé de l'importance du droit, euh, oui, euh, ce sont des violences qui sont ancrées dans le droit, euh, mais il me semble qu'en Algérie, euh, à la différence de l'Afrique du Sud post-apartheid, ou même pré-apartheid pour certains aspects, euh, il y a des formes de fluidité. C'est-à-dire que, le, par exemple, dans l'apartheid, on n'a pas le droit d'habiter à certains endroits. On n'a pas le droit. Si on est noir, on n'a pas le droit de rentrer dans certains magasins. Si on est noir, on n'a pas le droit de faire certains métiers. Si on est noir, on n'a pas le droit de se marier avec des Blancs, etc. Donc, c'est oui, non. C'est blanc et noir. C'est oui, vraiment, c'est très, très clair. En Algérie, même pour la citoyenneté dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des passerelles. Il y a des Algériens indigènes qui peuvent devenir citoyens mm -hmm. dans le droit. Le droit n'est pas si euh, fermé. Alors, le principe est quand même là. Et euh, en Algérie, les gens en habitent souvent. On va, on va nous dire comme argument pour dire que ça ressemble à l'Apartheid. Il y a des quartiers où il n'y a que des Français, il y a des quartiers où il n'y a que des Algériens. Oui, de fait, mais c'est pas de droit. C'est-à-dire ouais. qu'il a, a, a pas d'interdiction à aller habiter en quartier de l'autre. Il y a pas. Il y a une société clivée. Il mm -hmm. y a une société hiérarchisée et structurée par euh, un principe de domination qui est colonial et qui fait que quand vous êtes blanc. Vous serez toujours d'une manière ou d'une autre par position au-dessus des autres, mais euh, voilà, vous pouvez. Euh... N'est pas inscrit dans le droit comme ça peut non. être aussi Il n'y a dans pas l'équivalent. De... Mouloud de Feraoun, qui, qui est un écrivain francophone, qui a été euh, à qui on a décerné des prix dans les années 50, qui était instituteur puis directeur d'école en, en Algérie, qui est donc encore une fois écrivain francophone. Mouloud Ferraoun par exemple, il a des alter-égaux, il a des collègues qui sont français, d'autres qui sont algériens, il est instituteur, il est romancier français. Mmh. Euh, c'est pas possible, ça en Afrique du Sud. C'est juste pas possible, Enfin, dans une Afrique du Sud, de l'apartheid. Donc mmh. c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf, hein, c'est pas du tout un monde merveilleux, l'Algérie coloniale. Hein, mais euh, il, il me semble qu'on n'aide pas à comprendre en utilisant le mot d'apartheid. Mmh. En revanche... Euh, discrimination, bien sûr, euh, et, euh, et oppression, bien sûr. Mais voilà, je, 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 il me semble qu'on qu emprunte au plus extrême euh, pour caractériser des, justement des choses qui sont plus intéressantes à comprendre dans la nuance. Mmh. Voilà. C'est ça, oui. Ça. On peut y apporter des nuances, on peut essayer de, de raccrocher des concepts, mais il faut quand même le, le distinguer un petit peu pour qu'on puisse dire que c'était ben tout ça. à fait pareil non plus, quoi, au final. Oui, c'est ça. Alors après, le problème de l'histoire, euh, parfois, c'est que on va nous dire oui, mais vous dites toujours que tout est toujours différent. Ouais, ok. Ouais, Alors que pas, les politistes, ils sont, ils sont, ils sont velours, sympas, les politistes, ils font des. Voilà. Ouais, ouais, tout est toujours particulier. Enfin, les politistes, c'est clair, Alors, on a des projets. On a des grands types, on a des. Mais bon projet, voilà. c'est euh... très très bien. Et les gens posaient la question dans le chat c'est vrai que je l'ai pas dit avant ouais. que on va après on va avancer mais avant que l'Algérie soit soit colonisée par les par les oui. français, c'est quoi le statut c'est du coup c'est une l empire province ottoman. de l'Empire ottoman depuis des siècles. C'est une province une, avec une Ot... autonomie etc. Oui 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 avec ouais. une vraie autonomie hein, vraiment euh, l'Empire ottoman c'est pas du tout c'est pas du tout du tout comme la colonisation oui, française. Oui c'est ça parce que les gens pourraient comparer d'un empire alors, à un autre entre non voilà c'est alors oui d'ailleurs c'est ce que c'est différent encore. Oui alors désolé ouais oui, C'est différent parce que ce n'est pas la même époque. Il faut imaginer, euh, quand les Français arrivent par exemple, euh, on vient d'inventer le chemin de fer en Europe. Hein, et donc on va pouvoir développer le chemin de fer. On va, on va inventer le télégraphe. Autrement dit, on a des moyens techniques de contrôle de l'information. Mm -hmm. On a des moyens techniques pour, pour euh, déplacer des troupes. Quand vous les mettez sur un chemin de fer, vous pouvez, euh, vous pouvez les faire rouler pendant des jours. Hein. À cheval, il faut faire des pauses, par exemple. Donc, on a des moyens techniques de contrôle qui, au XIXe siècle, vont euh, être absolument révolutionnés. Donc, par définition, les empires de l'époque moderne sont beaucoup plus lâches dans leur structure politique, dans leur structure d'encadrement. Ça vaut pour l'Afrique du Nord, mais ça vaut pour d'autres régions du monde. Les empires du XIXe sont des empires plus, plus compacts, de ce point de vue-là, où les, les distances sont rétrécies. Donc oui, ça appartient à l'Empire ottoman, mais c'est une marge de l'Empire ottoman avec une vraie autonomie. En gros, ce qui intéresse l'Empire ottoman, c'est que l'impôt rentre. Donc dès lors qu'ils arrivent à récupérer ce qu'ils veulent oui. financièrement, ça se euh, ils vont pas regarder de plus près. Il y, y a des, des responsables, des, des émissaires, bien sûr, de l'Empire qui habitent sur place, des Turcs qui habitent sur place en Algérie et qui, qui incarnent le pouvoir impérial. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de colonisation de peuplement. Voilà, c'est pas du tout pareil. D'accord, au moins, parce que je voyais les gens poser qui sont dans le chat, au moins comme oui. ça on est... Parce que les gens aussi disent dans le chat ils sont contents parce qu'on parle de la guerre d'Algérie, mais ils ne savaient pas vraiment aussi qu'est-ce qu'était l'Algérie au final, avant, euh, avant. et ouais. c'est aussi important de... de, de Alors c'est vrai et... qu'en plus l'Algérie, le mot même, euh, ça désigne des choses un peu variables, ça désigne la région d'Alger, Al-Jazair, la région d'Alger, ou l'Algérie comme on la parle aujourd'hui, comme on la dit aujourd'hui. À l'époque, l'Empire Ottoman, il y a une, une zone d'influence autour de Tunis, qui englobe l'est de l'Algérie aujourd'hui, une zone d'auto. Donc voilà, ce donc n'est pas les mêmes frontières. C'est pour ça qu'il y a des débats, je ne sais pas si vous les avez entendus, mais euh, Emmanuel Macron a dit un truc euh, quand il a reçu à des, des jeunes euh, liés à l'Algérie. Il a dit des choses sur l'Algérie n'existait pas avant la France, des choses comme ça qui ont fait bondir les Algériens. Mais parce qu'il avait ça en tête, je pense. C'est-à-dire qu'effectivement, l'Algérie dans ses frontières. Mais comme tant de pays, en fait, elle est née au 19e siècle. Elle est née au 19e siècle, oui. Et les frontières ont beaucoup bougé à ce moment-là, et c'est le cas, effectivement, de, de, de beaucoup de pays. Euh, pour revenir justement sur, sur cette Algérie, on va dire, de fin 19e, début, début 20e, et qui va, euh, on va dire, connaître l'appel deux fois aussi, du coup, pour la Première et oui. la Deuxième Guerre mondiale, oui. euh, euh, comment s'articule la démographie Enfin, ça, c'est aussi, je pense, c'est important pour ce qu'on se rende compte, c'est euh, les colons. Euh, euh, on sait sont minoritaires, mais à quel point en Algérie Alors, euh, j'ai pas forcément les chiffres de toute l'évolution sur toute la période, sûr, mais, mais, mais la autre... logique, c'est oui. qu'ils sont minoritaires tout le temps, largement, largement, parce que euh, leur démographie est différente de celle des Algériens. Mm -hmm. Ils ont moins d'enfants. Euh, il meurt plus en tout cas au départ on l'a expliqué hein, c'est vraiment une catastrophe au départ euh, et donc de toute façon on a toujours une structure d'une minorité qui domine une majorité ça reste mmh. ça au moment où la guerre éclate on a à peu près un million de gens qui sont français d'origine européenne en algérie et on a à peu près 8 millions qui sont indigènes français d'origine indigène daccord. Donc, c'est ça, ça le ratio. Ce qui est un ratio qui est évidemment très en défaveur des, des Français d'origine européenne. Alors, comment est-ce qu'on maintient Mais qui est un ratio beaucoup plus fort que ce qu'on a en Indochine, par exemple, ou ailleurs dans l'Empire. C'est le seul endroit de l'Empire où il y a autant de Français proportionnellement. Hein. On se demande toujours pourquoi est-ce que. Comment ça tient Ben bah oui, parce ouais. que 8 millions contre 1 million, enfin, mmh. c'est. Oui, mais c'est pas contre. C'est oui. que c'est pas contre et c'est là où la marche pas. La, nous on voit la guerre après. Mais, oui, donc euh, mais, voilà, oui. mais... mais même pendant la guerre, enfin. Mais, euh... mais parce que c'est la structure coloniale. Regardez, enfin, on va pas prendre l'Algérie, hein, il faut regarder... Euh... Pff, la... Qu'est-ce qu'on peut prendre le Sénégal, mmh. le Cameroun, enfin euh, où, où le ratio est encore plus faible, mmh. encore plus faible. Donc euh, c'est pas une logique euh, de nombre, nombre c'est une logique de pouvoir et donc de capacité à mobiliser euh, ce qui crée la coercition. C'est le premier élément. Hein. Il y a quand même un rapport de force au départ. Et après il y a la construction d'une relation. Donc il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça fonctionne l'empire y compris des, des indigènes l'image qui vient de la guerre c'est deux camps deux camps les français contre les algériens cette image est fausse voilà cette image est fausse il euh, y a des principes qui sont opposés des principes il y a des gens qui aspirent à l'indépendance de l'algérie des gens qui aspirent à l'algérie française oui mais les gens c'est pas si simple il y a des gens qui sont français et qui sont pour garder l'Algérie française. Il y a des gens qui sont français qui sont pour l'indépendance de l'Algérie, des gens qui sont algériens et qui préféraient que la France reste et voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas vraiment d'avis et mais ils savent juste que ça fait 4 générations ou 5 que les français sont là, que voient pourquoi ça serait différent, ils savent pas trop, voilà. Oui. Donc cette euh, voilà, donc c'est pas que une question de rapport de enfin c'est pas que ça la guerre, elle se déclenche sur cette idée. Il y en a qui pensent qu'il faut créer un rapport de force de telle sorte que la minorité va devoir partir. Va devoir partir. Et pour ça, il faut mobiliser la majorité. Donc ça, c'est le projet politique mmh. du FLN. C'est qu'ils sont, sont... Le Front de Libération Nationale, ils sont, ils sont rien du tout. Hein, ils sont tout petits. Mais leur idée, c'est de convaincre la masse de choisir l'Algérie indépendante. Mais c'est pas le cas en 54, on n'en est pas du tout là. On n'en est pas du tout non, là. Non. On va on va revenir justement sur sur 54 et si un peu de, de, se, de se projeter euh, au, juste avant cette juste avant le, le déclenchement de, 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 de la guerre, euh, l'Algérie de 54, elle est elle est comment? On est au lendemain de la de, de la Seconde Guerre mondiale, oui. euh, des conflits qui ont débouché évidemment sur euh, sur des millions de morts, mais qui ont aussi débouché quand même du côté euh, des vainqueurs sur l'idée des peuples de droit à disposer d'eux-mêmes, etc. Donc c'est quand même des idées qu'on essaie de véhiculer un petit peu un petit peu partout. Est-ce qu'on a entendu ça aussi en Algérie Est-ce que certains se disent bah, le droit de disposer d'eux-mêmes, mais nous aussi, on peut être compté dans ceux qui ont le droit de disposer d'eux-mêmes enfin, Comment est-ce que ces idées, on va dire, s'étalent dans l'Empire et du coup notamment en Algérie Alors en fait, effectivement, la Deuxième Guerre mondiale, elle est importante parce que, pour ce qui est de l'Empire français, la France perd la guerre. Il faut revenir là, en 1940, la France mmh. perd la guerre rapidement. Et donc, la France, la France si puissante, la France si importante, la France, la France, la France. La France perd la guerre. En un mois, en un mois et demi. En un mois et demi, euh, oui, c'est ça. Ça fait un choc, une onde de choc, on sait bien, dans la société française, mais dans l'Empire aussi. Tout d'un coup, le géant est par terre. Et ça, il, voilà, ça les Français n'ont pas forcément... Les pouvoirs, le pouvoir politique français, puisqu'il va changer hein, en 45, n'ont pas forcément pris conscience de ça. Mais globalement, au-delà de ça... Les empires coloniaux deviennent pas démodés, mais euh, c'est plus eux qui dominent le monde. Mmh. Le monde est dominé par l'Union soviétique et les États-Unis au sortir de la deuxième guerre mondiale. Avant, dans l'entre-deux-guerres, la France et la Grande-Bretagne sont les deux grandes puissances. Mmh. Puis il y en a d'autres, hein, mais qui, qui montent, qui montent, qui montent, qui montent. Mais euh, voilà, qui se partagent notamment l'Afrique. Donc ça change. Donc cette, ce vent de changement, il est partout. Et donc il atteint aussi l'Algérie. Euh, et il atteint l'Algérie concrètement. Il y a un exemple qui est dans votre euh, la frise à qui est là, oui. euh, qui est que en mai 1945, quand on fête la victoire sur le nazisme, quand les Français deuxième manière, hein, c'est-à-dire les Français qui ont participé à la libération de leur pays, euh, et notamment les troupes coloniales hein, qui sont l'essentiel des troupes qui ont libéré euh, la France du nazisme. Euh, donc on célèbre la victoire contre le nazisme en mai 1945 à Alger en Algérie, mmh. puisque l'Algérie c'est la France comme ailleurs et en même temps des euh, partisans euh, de l'indépendance de l'Algérie euh, vont manifester en réclamant la liberté. Je pense qu'on peut mettre en grand la carte dans la frise comme ça on peut voir où est Sétif euh, donc ouais. est dans le constant C'est à l'est, hein. c'est à l'est, c'est <coughs> ouais. dans la région de, du Constantinois, Il y a plusieurs plusieurs villes mmh. euh, exactement où ouais, est Sétif et puis même un petit peu autour, enfin dans toute cette zone là. Euh, il va y avoir des manifestations. Il y en a partout en Algérie, hein, des, manifestations, euh, des manifestations, qui vont réclamer la libération du leader historique euh, du nationalisme algérien, mais qui vont plus largement euh, faire éclater une espèce de joie autour de, du thème de la liberté, parce mmh. qu'effectivement, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de liberté en Algérie pour le peuple algérien, pour les Algériens. Bon, c'est pas forcément tout le monde n'est pas forcément envie de la même chose, mais voilà. Une Or, il à ce -là, en tout cas. y a des gens qui disent voilà, il faut que ça change, il faut que ça change. Ils sont réprimés. Euh, pendant deux mois, et c'est des milliers de morts, euh, au minimum, sans doute plus de 10 000, qui sont, qui sont faits à ce moment-là. Les chiffres sont entre 10 000 et les chiffres algériens disent 45 000 morts. Donc, oui, euh, mais, bon, ça, euh, mais ça, voilà, pour avoir discuté avec le, voilà, les, les spécialistes, notamment euh, Jean-Pierre Peroulou, hein, qui a travaillé sur GELMA beaucoup, voilà, si on est autour de 10 000, 15 000, sans doute. Euh, mmh. sans doute. Mais après, c'est complètement dingue, on en reparlera peut-être, mais le fait qu'on soit même pas capable de chiffrer, en fait, mmh. ça veut dire aussi quelque chose, ça, sur les. Non pas euh, sur la violence, parce que oui, bien sûr, ça dit des choses de la violence, le nombre important de morts, euh, mais l'incapacité à chiffrer, ça veut dire que personne n'a tenu de registre, mmh. personne ne, sait, personne sait qui c'est, l'État ne, ne s'est pas intéressé à cette question. Voilà. Que, comment comment l'État gère, enfin euh, parle de ces événements -ce, Alors non, pas, après. Il y a plein de choses à faire en France en mai-juin 1945, par ailleurs. Enfin, <laughs> Mais, voilà. bah, vrai. Euh, un des éléments, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une sortie de guerre, on est dans la construction, on est dans des troupes qui ne sont pas forcément disponibles parce mmh. qu'elles euh, sont encore en Europe. Hein, voilà. euh, donc il y a ce flottement dans le pouvoir qui fait qu'il y a des milices privées, des milices de civils hein, qui s'organisent. Jean-Pierre Peroulou, le collègue dont je parlais, qui a travaillé sur Guelma, une autre ville où des massacres ont eu lieu, sont des milices. Avec le commissaire de police, ancien résistant. Qui euh, bah, qui leur laisse les armes et qui leur dit allez-y. Hein? Donc il mmh. y a une espèce de, de de monde de colons au sens des Français qui sont dans les petites villes d'Algérie qui ont très peur et qui tuent leurs voisins concrètement, mmh. tuent des Algériens au faciès pendant quelque temps dans cette dans cette ambiance de nouveau monde parce qu'après la deuxième guerre mondiale il faut refaire le monde mmh. et en Algérie il y a plein de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on fasse le monde. Mais alors pas du tout. Ils n'ont qu'une hâte, c'est que ça reste comme c'était. Et donc il va y avoir une résistance très forte du monde colonial d'Algérie, mmh. notamment contre des volontés de réformer l'Empire qui s'expriment à Paris, oui. où on a conscience peut-être plus que le monde change, qu'il va falloir s'adapter. Donc en Algérie, il y a des résistances qui sont très fortes et qui vont être des freins à à une amélioration. Il y a des améliorations hein, qui se passent, mmh. mais en fait, dès qu'il y a une amélioration en Algérie, quand je dis amélioration, c'est, par exemple, euh, donner un peu, de un peu de droit de vote. Oui. Un peu. Euh, autoriser euh, le vote à certaines élections un peu plus qu'avant. Donc, on commence, on voit des petits pas, une politique des petits pas. Est-ce qu'il y a un référendum, par exemple, c'est que une question que je me pose, mais par exemple, est-ce qu'il existe des référendums que pour les Algériens sur leur non. situation ou quoi que ce soit ben, Je sais pas, hein, parce que ça leur concernerait que eux. Donc, en gros, ils font des élections en parallèle qui n'impacteraient pas trop les Français d'Algérie, mais qui, eux, dans leur communauté, pourraient les, pourraient les impacter. Non, non, les Algériens ont le droit de vote. Après la Deuxième Guerre mondiale, hein, là, le grand changement, c'est ça, hein, c'est que les Algériens, euh, quand je dis les Algériens, à l'époque, on ne disait pas les Algériens, hein, les Français d'origine oui. indigène, euh, ont le droit de vote officiellement, quand on regarde le, la, le texte de loi, c'est un homme, une voix. Oh, c'est génial, c'est bon. Mmh. Alors, quand on regarde dans le détail, alors en France, c'est un homme ou une femme, une voix. En Algérie, déjà, mmh. c'est juste un homme, une voix. Mmh. Les femmes, ils les ont oubliées, en fait. Mmh. Hein. Donc, il va falloir attendre 1958 pour que les femmes algériennes puissent voter. Petit oubli de 13 ans. Bon. Donc déjà, petite différence. Ensuite, un homme, une voix, euh, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, on va créer des collèges électoraux. Donc en fait, les Algériens, la plupart des Algériens vont voter pour une partie de l'Assemblée, de l'Assemblée algérienne qui se met en place à ce moment-là, et les Français vont voter aussi pour une partie de l'Assemblée. Donc en théorie, tout le monde en vote une voix, mais pour le dire vite, les Algériens, qui sont donc beaucoup plus nombreux, admettons, ils sont huit fois plus nombreux, vont élire le même nombre de représentants que ceux qui sont huit fois moins nombreux qu'eux. Autrement dit, leur voix vaut huit fois moins. Oui, Donc il faut regarder un peu dans le détail parce que de loin on a l'impression que c'est génial maintenant ils ont le droit de vote ils sont mmh. égaux etc ils sont pas du tout égaux parce que s'ils si sont égaux ça va ressembler à un référendum mmh. ça, va ressembler à des... ça va ressembler à nos élections ici c'est-à-dire la majorité l'emporte oui, et le pas. risque évidemment c'est que la majorité suive pas la minorité qui veut le maintien de l'Algérie française telle qu'elle est peut-être que tous les algériens n'auraient pas souhaité l'indépendance c'est même probable pour plein de raisons mais il aurait peut-être fallu leur laisser mmh. la possibilité de choisir. Ouais, c'est ouais. ça. Moi, je me pose aussi une question, et, et, euh, et on va commencer à se diriger, voilà, vers, vers le déclenchement du conflit. Mais est-ce qu'il existe On parle beaucoup de, de Alger, des villes, de Oran, des villes, euh, des villes pendant le conflit. Est-ce qu'il y a une différence déjà de relation entre les indigènes en ville euh, et les colons, et les indigènes euh, et les colons en, à la campagne Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, Il y a une grosse, grosse différence. Euh, déjà. Pour revenir à la discussion qu'on avait au début sur les différences de souvenirs, oui. quand vous interrogez quelqu'un qui a grandi à Constantine ou quelqu'un qui a grandi à Oran, donc c'est les deux grandes villes, l'une à l'est, l'une à l'ouest, il vous raconte pas la même histoire. Mm -hmm. Il ne vous raconte pas le même rapport aux voisins, il ne vous raconte pas... Bon, quand on interroge quelqu'un de Constantine ou quelqu'un euh, des Orestes, donc c'est le Constantinois mais vraiment tout au sud. Je vous raconte pas la même histoire. Donc l'Algérie c'est un très grand pays, faut encore le rappeler, très divers et pas si peuplé que ça. Donc de fait, il y a d'énormes différences. Donc oui, euh, la grosse différence c'est ruralité contre grandes villes, mais aussi les petits, vi les petits villages. Et euh, au moment de la guerre, la colonisation rurale qui a été souhaitée au XIXe siècle, en gros a échoué, au sens où il euh, n'y a pas beaucoup de Français. Avec les Français fabriqués, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de Français qui ont fait souche dans la ruralité. Mmh. Ils sont progressivement partis en ville. Ils ont pu rester. Une partie de la famille est restée, mais les autres sont partis en ville. Ou alors ils ont confié leurs terres à un régisseur algérien qui va gérer pour eux. Donc ça reste leur terre, leur propriété, l'argent vient de là, mmh. mais eux, ils habitent en ville. Et ça, c'est vraiment c'est un mouvement de séparation des espaces en fonction des origines qui se, qui se renforce dans l'entre-deux-guerres. Et après, en ville, il y a des quartiers plus ou moins peuplés d'Algériens seulement, plus ou moins peuplés de Français seulement. Et, et voilà, donc les relations sont pas les mêmes. Euh, Oran, c'est une ville espagnole. À Oran, il y a des corridas. Ah, oui, oui, Oran, c'est une ville espagnole. Mmh. On parle espagnol. Voilà. <laughs> euh, on parle français aussi, mais on parle un français mélangé d'espagnol. On parle espagnol. À mmh. Constantine, on parle beaucoup plus arabe. Mmh. Voilà. Donc il y a beaucoup, beaucoup de différences. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat. Les soins de ma grand-mère maternelle grandit dans un village et ma grand-mère paternelle, grandi dans le centre-ville, qui viennent de la même ville, Sétif n'a rien à voir par exemple. Bah ouais. Alors que pourtant, c'est à peu près la même... Voilà, et elles disent toutes les deux la vérité. Oui, c'est ça. Évidemment. Et, et elles parlent toutes les deux de la, la situation coloniale. Et en tant historien, on a les deux témoignages, on se dit, OK, et là on nous demande de parler de l'Algérie française, voilà. il va falloir qu'on leur explique que c'est... Bah, et donc il faut aller comprendre pourquoi ça la dame, elle n'a pas la même... Quand par exemple, on, on dit très souvent, les, les gens distraient souvent à propos de l'Algérie, euh, les Français d'Algérie euh, qui habitent en France maintenant... Euh, on s'entendait très bien avec nos voisins, on était amis. On le voit etc. très bien dans le documentaire ça, pour le coup. Dans ouais. Il y a quelqu'un qui dit euh, on s'entendait super bien, on était amis, voilà. etc. etc. Ouais. Quand on pose la même question aux Algériens, vous vous entendiez comment avec les Français Alors, ils disent parfois on s'entendait très bien, on était. Mmh. Puis, il faut aller un peu plus loin, parce que là, jusqu'à présent, les deux témoignages coïncident. Mmh. Donc, il faut aller voir ce que chacun met dans on s'entendait très bien. Donc, Concrètement, on pose des questions après quand on fait de l'enquête orale. On dit, euh, par exemple, euh, est-ce que vous vous invitiez les uns chez les autres pour euh, l'apéro mmh. Puisqu'on pratique l'apéro en Algérie. Ah non, en fait non. Ah non on est pas... Et après l'école, quand il y avait des écoles avec des enfants des deux, des deux origines sur les bancs de l'école, est-ce qu'on allait faire les devoirs chez les uns chez les autres Alors il y avait le petit Algérien qui parfois venait, parfois, plutôt dans la cour que dans la maison, mmh. et puis jamais dans l'autre sens. Donc, on s'entendait très bien, voilà, mais à plein de conditions, en fait. Donc, il faut, il faut regarder d'un peu plus près ce, ce lien. Et en, historien, on peut, en historienne, on peut bien sûr regarder un élément. Quand on veut réfléchir à la question de la, du mélange, c'est une question de base, hein, bien sûr, dans la colonisation. Et bien, regardons les mariages. Mmh. Est-ce que les gens se marient entre eux Est-ce que les Algériens épousent des Françaises et inversement Alors, La réponse, elle est lumineuse. Mmh. Hein, pour le coup, les sources sont très claires. Non. Non, il n'y a pas de... Non. Enfin, c'est ultra-minoritaire. C'est ultra-minoritaire. Ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Ultra minoritaire. Il y avait aussi... Par contre, les Espagnols épousent les Italiens, les Italiennes mmh. épousent les Espagnols, les Espagnols se marient entre eux, ils se marient entre eux. Mais quand même, oui, ça, ça circule. Ça circule un peu plus, le monde pas. des Européens d'Algérie, il existe aussi de ce mélange mmh. des origines. Mais il y a une frontière, en fait. Mais elle n'a pas besoin d'être dans la loi, cette frontière. Elle est dans les têtes. La frontière, c'est... Voilà, ils ne sont pas comme nous. Et c'est une frontière. Les deux côtés pensent ça. Ils ne sont pas comme nous. Donc, OK, on peut travailler ensemble, être collègues de boulot, pas de problème. Mais on euh... peut mettre nos enfants dans une école où il y, y a des Arabes, pas de problème. Par contre, il ne va pas s'agir pas que ma fille épouse, etc. Et voilà. il y avait aussi dans le documentaire, justement, il y a un moment donné où ils interrogent un, un étudiant d'Adje ou de haut rang, et ils disent, mais du coup, vous, êtes, vous, êtes, vous les connaissez bien Vous les connaissez bien, vos camarades algériens ouais. Non, pas vraiment. Non, non, non. pas vraiment. Non, ouais. On ne les connaît pas vraiment. Et du ouais. coup, ça, ça contrastait tout de suite avec l'autre l'autre, ben témoignage qui disait qu'on bon, s'entendait super ouais. bien, etc. Ouais. Et c'est vrai que du coup, on, le, on le comprenait on, on comprenait assez bien, en tout cas, le contraste qu'il pouvait y avoir selon l'endroit où on se trouvait ouais. à ce moment-là. Et l'âge de la vie ouais. aussi, sans doute que les enfants, ça circule oui. plus, le monde des enfants. Voilà, ça c'est sûr, hein, mais en ville, parce qu'à la campagne il n'y a pas y a pas beaucoup d'enfants français. Pour, les, éve... pour euh, les événements qui vont se déclencher en, en Algérie, la guerre va se déclencher. Le... Alors la, la date qui est retenue aujourd'hui, c'est le 1er novembre 1900, ouais. 1954. Même si on a parlé de sétif tout à l'heure, que certains voient presque comme un premier commencement mm -hmm. ou tout du moins un terreau fertile pour ce qui va se passer. Voilà ce qu'on appelle le, la toussaint rouge. Ouais qui est le début du conflit, et les gens vont commencer à parler de série d'attentats qui se déroulent contre, des, euh, contre la police, contre des zones militaires. Il ouais. euh, y a une trentaine d'attentats dans le pays qui vont se déclencher euh, mmh. euh, ce 1er novembre 1954. D'un coup, 30 attentats qui vont... Oui, alors pardon, mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué tous ces mots-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, après... Euh, après le 11 septembre 2001, oui. après le Bataclan. C'est exactement ce que je me suis dit quand C'est un peu les ai... compliqué. Je en me fait, attentat, je me disais, mais dans quel voilà. sens Attentat Là, euh... je sais pas, voilà. En tout cas, on du point de vue français. C'est 30 attentats attentat, et ce n'est pas 30 Bataclans, quoi. Mmh. Du tout. Un attentat, c'est un poteau télégraphique scié. D'accord. Voilà. C'est important de le dire. C'est le fait d'attenter à. Mmh. Donc on attend, euh, je ne sais pas quoi, euh, on, attaque, ça. on attaque la France. Mais on n'a le on, on va voir qui c'est après, mais on n'a pas les moyens d'attaquer des militaires français, par exemple. Mais bien sûr que non. Oui, c'est ça. Euh, voilà. Donc en fait, euh, y a, et on n'a pas les moyens non plus de poser vraiment des bombes à ce moment-là. Donc il y a 30 attaques coordonnées, et c'est ça qui impressionne à l'époque. Mmh. Le même jour, ils ont réussi, ils, on ne sait pas trop qui c'est, ils ont réussi à se mettre d'accord pour attaquer à 30, à peu près 30 mmh. endroits du territoire algérien, et ils ont tué quelques personnes, oui, mais ce n'était pas le but. Et de toute façon, c ils n'avaient pas forcément les moyens. Donc, je suis vraiment embêtée avec ce mot atenta parce que ça, ça propulse un imaginaire dans la tête qui est super décalé. Et c'est pareil pour guerre, et c'est pareil pour terrorisme, et c'est pareil pour mmh. plein d'autres choses. Et c'est pareil ce que je disais sur européen tout à l'heure. En fait, en histoire, il faut vraiment toujours se rendre compte que les mots qu'on utilise, parfois, c'est les mêmes mots que les gens mmh. utilisaient. En histoire contemporaine, ça nous arrive tout le temps. C'est les mêmes mots. Mais simplement, ça n'a pas le même sens. Ça. Donc en fait, il faudrait ans, toujours avoir ça. un dictionnaire de français historique hmm. pour dire euh, attention quand vous dites, euh, je sais pas quoi, euh, président de la République, tiens par exemple, hmm. président de la République. En 1954, le président de la République, il a zéro pouvoir. C'est ça. Alors Aujourd'hui, effectivement, enfin, ici, ben, il y en a quelques uns, le droit de grâce, etc. C'est important, mais <coughs> aujourd'hui, il est quasiment tout puissant. Et c'est le même mot, président de la République, c'est la Constitution, mais c'est plus la même Constitution, tout a changé. Donc voilà, pardon, mais pour attentat, ça fait, ça non fait mais un peu ça. Quoi. C est, c est, non, mais clairement, c'était important de le dire, parce que même moi, je me, je me disais attentat, mais ouais. puis même dans le, même le mot guerre, et c'est ça aussi, c'est tout très intéressant, parce qu'on va se rendre compte que euh, cette, cette guerre d'Algérie, quand elle va commencer, ça va être aussi un peu une guerre des mots. Comment ouais, est-ce est qu est qu'on parle de, de, de ces événements d'Algérie-là Comment est-ce que la France peut rentrer en guerre contre elle-même du coup, il y a ces événements du 1er novembre 1954. C'est quoi la première réaction à ce moment-là Est-ce qu'on a... est qu sent vraiment le fait y a... le nombre est impressionnant ouais. Même si ça ne fait pas tant que ça de dégâts, on va dire, humains, même s'il y en a un petit peu. Ouais. Comment est-ce qu'on le considère, en tout cas en France métropolitaine Alors, déjà, ils n'ont rien vu venir. La police, l'armée, les renseignements, personne n'a rien vu venir. Ça, c'est fascinant. Ça fait 120 ans qu'on est dans le pays, peut-être, mais on n'a pas les infos. Et donc, c'est la surprise. Donc, premier choc, la surprise. Et euh, une incompréhension. Deuxième réaction, la négation. Il ne se passe rien. Mmh. Bon, en fait, il ne se passe rien. Ou s'il se passe des choses, on va s'en occuper, vous inquiétez pas, on va mater ça très vite. Donc, le premier discours, et ce n'est pas qu'un discours, ils y croient. Mmh. Le pouvoir y croit. Euh, ça va, quoi. Ce n'est pas grand-chose, on va y arriver. Et donc ils envoient des troupes et ils espèrent écraser tout ça très vite. Bon, ça ne se passe pas comme ça. Mais la guerre des mots elle continue jusqu'à la fin de la guerre. Mmh. La guerre des mots et elle vaut pour les deux camps. La guerre des mots, elle, euh, c'est la guerre des statuts au sens euh, le statut euh, qui on est quoi. Les Français disent on est le droit, on est le pouvoir, mmh. on est la légitimité, on, on est on, on a raison quoi en gros et euh, tous ceux qui nous embêtent sont des criminels. Donc, en face, c'est une logique de criminalisation. Donc, c'est pas des politiques qui nous attaquent, c'est des criminels. Donc, ils, font un, ils, ils détruisent un poteau, et ben, il faut les arrêter, et il faut les transmettre à la police, et il faut les juger. C'est pas des ennemis, c'est des criminels. Donc, il y, y, y a une logique, en termes de, de criminalisation, euh, de... On les appelle des hors-la-loi. Rebelles, aussi On les appelle des rebelles, voilà. Donc, c'est... C'est certainement pas des ennemis qui voudraient dire qu'il y a deux camps et qu'on est en guerre. Certainement pas, jamais. Et c'est certainement pas des adversaires avec qui on pourrait discuter. Et ça, jamais. Et quasiment jusqu'à la fin de la guerre. C'est terrible pour ça. Ça, c'est très, très important parce que c'est. Et c'est des terroristes, bien sûr. C'est des terroristes et donc c'est aussi la considération qu'on qu met du coup sur ces, sur ces gens-là. Et en fait, le fait de leur donner cette domination, rebelles, bandits, hors la loi, ouais. criminel, c'est les mettre complètement en marge et ne pas les considérer. Et on n'a même pas à se mettre à la table des négociations puisque ah ils ne revendiquent rien et de toute façon on reconnaît sont... pas leurs revendications. On dit qu'ils rev... qu ne sont pas représentatifs, ce qui est vrai au départ. Ouais. On les appelle aussi les Fellagha et euh, beaucoup d'anciens d'Algérie militaires français parlent de Fell qui est l'abréviation de felaga, mmh. qui est un mot qui, qui veut dire le coupeur de route, hein, en, en arabe, et qui, en gros, vise toujours à dire, voilà, c'est des, des bandits, quoi. En fait, c'est des bandits. Hein, voilà. mmh. Profondément, l'idée, c'est c'est des ruraux, c'est des sauvages. D'ailleurs, il y a qu'à voir comment ils font la guerre, enfin, comment ils se battent, comment ils sont violents, voilà. Euh, et c'est des bandits ou des terroristes. Et donc, ces mots-là vont durer, encore une fois, très longtemps. très longtemps. Et inversement, le FLN, le Front de Libération Nationale, le... Le mouvement qui a lancé tout ça, eux, c'est l'inverse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner en légitimité. Mmh. Donc eux, ils disent on est des adversaires, la France est notre ad adversaire, notre ennemi, et, et on incarne, euh, on est les représentants du peuple algérien. Et ça, dès le premier ah, ben, tout de suite. Dès, dès le la première, le premier tract qui est laissé mmh. sur les attentats, c'est une proclamation au nom du peuple algérien. Et ils disent parler au nom du peuple algérien. Ils sont pas plus représentatifs, euh, voilà forcément. Hein, c'est un, un groupe clandestin, minoritaire, etc. Mais euh, parce qu'il existe voilà. d'autres groupes aussi qui sont pas en indépendance de l'Algérie à ce moment-là, voilà. et qui sont, t ils enfin, qui sont là depuis plus longtemps et qui euh, eux voient peut-être une autonomie de l'Algérie pas euh, euh, qui ne peuvent en pas être ouais. par les armes en plus. Mais le FLN, lui, ne voit que l'autodétermination la, de, de l'Algérie ou son indépendance par la lutte armée. Oui, en fait, il quand je dis ils sont minoritaires, c'est pour euh, peut-être bien marquer les choses, mais le FLN, c'est un... une scission, en fait. C'est-à-dire que c'est des gens, ce sont des hommes, des militants, qui sont militants depuis des années, dans un parti qui lui-même a une histoire de plusieurs décennies d'existence, et qui a commencé à diffuser, ce parti, mais aussi d'autres partis à côté de lui, cette idée, qui n'est pas une évidence au départ, qui est que... La France pourrait peut-être bien partir, et ça serait peut-être pas mal. Mmh. Et finalement, les Algériens sont un peuple qui n'a rien à voir avec les Français et qu'il devrait s'autogouverner. Donc cette idée, elle, elle, c'est l'indépendantisme, hein, c'est le nationalisme, puis l'indépendantisme, et elle germe depuis les années 20 et 30 surtout. Mais c'est rigolo, parce que... Et donc c'est sur qu ce terreau-là qu'arrive l'indépendant. Ce que j'ai découvert avec le, le, le documentaire que tu as écrit sur Arte, c'est qu'il euh, n'y a pas tant que ça d'espace d'expression à ce moment-là euh, euh, dans l'Algérie française pour exprimer sa fierté d'être algérien, mais il existe les scouts musulmans. Euh, et les scouts musulmans, ouais. ouais, ouais. c'était le seul endroit pour eux où ils pouvaient utiliser le drapeau algérien. Pour se ah, ils n'avaient pas le droit hein. Ah, ils pas le droit, je Ah, ben bah non, non. Croisais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, ils, avaient, ils chantaient, du coup, ils faisaient des et chants ouais, ouais. patriotiques, etc., algériens. Ouais. Et c'est, en fait, dans ce truc très français, enfin, euh, en tout cas, européen que sont les scouts, ouais. que va s'exacerber euh, chez des jeunes scouts ce mmh. premier sentiment, on va dire, euh, nationaliste. En fait, comme on n'a pas le droit d'avoir... Euh, on n'a pas le droit, dans l'Algérie française, d'avoir des propos politiques qui sont contre la France, mmh. en gros. Hein. Euh, donc, en fait, il va y avoir des contournements. Donc, le sport... La culture, la musique, le théâtre et euh, les scouts. Ça va être des espaces de politique en fait, détournés. Mmh. Donc des pièces de théâtre qui racontent, euh, je sais pas quoi. Euh, euh, elle est partie, je l'aime, je l'adore, je sais pas quoi. En fait, c'est l'Algérie qui est partie, que j'aime, que j'adore. Euh, des chansons que ça. Et donc les scouts, c'est en fait les mouvements de jeunesse. Mmh. Donc ça existe dans toute la France de l'époque, et l'Algérie c'est la France, donc il y a des mouvements de jeunesse, mais ils sont pour les Français. Et donc il va y avoir les nationalistes, en particulier le grand parti nationaliste, le MTLD, le PPA, le Parti du peuple algérien, qui va mettre en place, qu'ils appellent donc les scouts musulmans d'Algérie. Avec le mot musulman qui, qui euh, prête un peu à confusion aujourd'hui, dans la série Les mots qui prêtent à confusion, parce que on dirait qu'on parle d'une religion. Ben bah oui, musulman, c'est l'islam, oui, c'est hein. On dirait qu'on parle d'une religion. En fait, dans l'Algérie coloniale, musulman, ça sert à dire indigène. Donc quand on dit les scouts musulmans d'Algérie, ça veut dire des mouvements de jeunesse où il n'y a que des indigènes, donc des euh, Algériens. Et, euh, et ces petits jeunes, qui sont essentiellement des garçons, il faut le dire aussi, euh, ben on leur apprend ce qu'on apprend dans les scouts, c'est-à-dire à -dire à un chef, euh, à mais se mettre en rang. Et en gros, c'est un peu paramilitaire. Euh, et à l'occasion de ces camps, de ces trucs comme ça, effectivement, ils chantent des chants nationalistes. Ils apprennent un peu l'histoire de l'Algérie, mais d'une Algérie qui a résisté à la France. Mmh. Et euh, ils découvrent le, leur drapeau. Donc, c'est vraiment une école du nationalisme. Mais évidemment, on ne l'a peut-être pas dit clairement dans le, dans le documentaire, manifestement, mais, mais tout ça, c'est en douce. Oui. Hein les scouts musulmans, c'est officiel, mais, mais ce qu'ils y font concrètement. Oui, ce n'est pas prévu. Ce euh, n'est pas prévu. Ce n'est euh, pas trop prévu, ah, en fait. Mais de fait, ça va être un, un lieu de formation, euh, voilà, par la musique, par les chansons, euh, mmh. et, et par euh, l'embrigadement, en fait, hein, politique, euh, de cette jeunesse. Donc, quand je dis le FLN, ils sont minoritaires. Oui, mais sur un terreau oui. euh, social qui est quand même bien énervé de ce, de ce sentiment national. C'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont trouver de l'écho. Parce que les Français, ils ont juste compris, ils sont minoritaires. Ils sont ultra minoritaires, c'est oui. une petite scission de rien du tout, on va les écraser. Sauf qu'en en fait, euh, derrière, il y en a plein qui sont prêts à suivre, en fait et donc du coup le FLN se lance et j'ai fait un petit, euh, un petit un petit tableau pour qu'on puisse aussi comprendre et se dire que le FLN à ce moment-là n'est pas le seul à essayer de porter la voix oui. d'une Algérie indépendante il y a le MNA aussi ouais, à ce ouais, moment-là ouais, ouais, ouais. euh, qui, 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 qui est en place mais qui là depuis plus longtemps le leader à ce moment-là est, 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 est en exil il me semble Mais Sali il est en France Mais, mais Sali est, est en Il mais est Sally, assigné à, à résidence C'est ça est assigné à résidence en France et on va dire c'est euh, le FLN qui va réunir un peu sous sa coupe beaucoup d'autres beaucoup parties euh, euh, de tous horizons on va dire euh, euh, sous sa coupe, mais le MNA, à ce moment, le Mouvement Nationaliste Algérien, n'entend pas de cette oreille et on va dire pendant longtemps, Messaliadj euh, va être une voix dissonante par rapport au FLN et peut-être ouais. deux voix possibles pour, pour l'indépendance, une ouais. un peu plus on va dire euh, traditionnelle et on parle la, la voix du droit ouais. et l'autre par la voix des armes. Ouais ouais, c'est la grande distinction, mais en même temps, elle n'est pas complètement. Alors il y a d'autres partis hein, qui existent et qui vont se fondre dans le FLN. Il y en a un seul qui va rester seul, c'est le parti historique, le canal historique, c'est Messali et ses fidèles. Messali, c'est le grand leader historique hein, euh, qui a commencé dans l'immigration en France dans les années 20. Euh, et donc, quand le FLN va faire scission et euh, provoquer l'éclatement de son parti, lui, il va créer donc, le mouvement national algérien, le MNA, euh, qui, pendant toute la guerre, va essayer de à une position très compliquée parce qu'ils vont essayer de tenir une position qui est de dire on est évidemment pour l'indépendance oui. mais simplement euh, on n'est pas pour le FLN. On n'est pas pour le FLN, on n'est pas pour s'aligner tous derrière le FLN. On veut pouvoir exister seul à seul. Sauf que le MNA, ou à l'époque Messali tout seul avant qu'il forme le MNA, avait dit on n'est pas prêt pour porter euh, la lutte armée tout de mmh. suite. Ok, la lutte armée, c'est important. Ils y sont préparés, hein. Ils y sont préparés, les messalistes à la lutte armée. Mais pour eux, c'est pas le moment, c'est pas mûr. Oui, c'est ça. Et le FLN, ils se font doubler par le FLN, en fait. Mm -hmm. Et euh, et en fait, ce fait, le fait que le FLN ait pris cette décision et que ça marche, parce que de fait, en Algérie, ils n'arrivent pas à être écrasés par la France, donc ils se développent. Et et en fait, c'est pas tant C'est-à-dire mm -hmm. qu'en Algérie, ça, ça parle, les gens disent, mais. Ah oui, mais quand même, il y a des gars dans la montagne, ils arrivent, ils ont, ils ont fait une embuscade, ça a marché. c'est sont... une guérilla, quoi, la FLN. – C'est que de la guérilla. C'est que de la guérilla. C est, c est, à l'époque, c'est que de la guérilla, maquis, il n'y a pas de terrorisme euh, du ouais, tout, ou ça. très peu. Mm. Donc c'est de la guérilla. Donc c'est des choses très impressionnantes, la guérilla, ou c'est aussi des assassinats ciblés. Donc on exécute, et pour le coup, on l'exécute de manière euh, très visible, euh, des Algériens qui travaillent auprès des Français. Et aussi des membres du MNA et aussi des membres du MNA. Et ça, ça m'a rendu... Ça, je, je, on en a parlé juste avant, parce qu'évidemment, on, on a discuté une heure avant avec Rachel et... Avec Raphaël, pardon. Et on a... En fait, il y a, dans le documentaire, un moment où, euh, où on discute avec un membre du FLN qui a assassiné mmh. des dignitaires du, du MNA ouais. et qui parle du fait que... Il dit, mais vous n'avez pas réussi à tuer euh, Messali Hadj. Il dit, ah, c'est dommage, on l'a raté, <laughs> mais il était trop bien gardé. Et c'est fou qu'ils le disent comme ça, avec tant de naturel ouais. et euh, que, bah, on retrouve et qu'ils disent et ils regrettent rien. Et pourtant, ils racontent avec pas mal de détails, quand même, comment est-ce qu'il est venu ouais. à assassiner euh, bah, des Algériens. Mais voilà, c'était le MNA, donc ils pensaient différemment. Et on pouvait. Euh, le FLN avait sa, sa ligne ouais. à, à suivre aussi. Oui, oui, le FLN était un mouvement autoritaire, hein, euh, très autoritaire en interne et, euh, et dans la relation de rivalité avec le MNA, très violent mmh. et réciproquement. Alors, en Algérie, euh, assez rapidement, le FLN domine, mais en France, où il y a des centaines de milliers d'Algériens qui habitent, mmh. et au fur et à mesure de la guerre, des gens qui fuient la guerre et qui vont donc euh, en France d'autant plus. plus euh, en France, jusqu'à la fin de la guerre, il y a des, des poches de résistance du MNA qui sont très fortes. Et donc, euh, pour le FLN, il y a une guerre, ils appellent ça la guerre, il hein, y a une guerre à mener pour éliminer le MNA. Et réciproquement. Mmh. Et donc il y a et, euh, des métropolitains d'ailleurs, euh, des gens qui ont vécu en France à l'époque, euh, qui n'ont pas de rapport avec la guerre, etc. Mais par exemple en, en région parisienne, à, à Nanterre, à Colombe, à Argenteuil, etc., ils se souviennent de cadavres d'Algériens dans la rue. Hein, parce que c'était un quartier algérien et il y avait des, mmh. ce qu'on appelait à l'époque les règlements de compte. Mais en fait c'était des assassinats politiques des deux côtés. Donc dans le film. Abdelkader Bakouche, qui était, euh, en fait, membre d'un commando FLN, donc ça. une partie vraiment très particulière qui, qui s'appelle l'Organisation Spéciale, qui agit en France, et en fait, ce sont des tueurs. Et ça, je l'ai appris, c'est vraiment que ça se déroulait en France, quoi. Oui, ouais, bien sûr, parce que le des MNA milliers de morts. Oui, c'est ça, des milliers de morts en France, mm. avec bah, de deux côtés, euh, comme tu le dis, euh, mm. et, et il raconte comment est-ce qu'il faisait, scooter dans Paris... Euh, Alors, ouais, dans, pour juste pour toi dire, toi parce info, que dans le film, il y a lui qui témoigne euh, du FLN, mais... Pour faire ce film, en fait, on a fait une collecte beaucoup plus large de témoignages et notamment, on a quelqu'un qu'on n'a pas mis dans le film mais qu'on qu peut aller écouter mmh. sur le site de l'INA euh, qui s'appelle euh, Idir Boudjemil et qui, lui, est un messaliste et qui raconte la même chose mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que lui, il raconte qu'il est allé tuer un un membre du FLN et euh, dans un restaurant si, pareil euh... Si vous voulez les voir évidemment donc il y a les six je le rappelle ouais. hein, donc euh, il y a les six, six épisodes du documentaire qui s'appelle en guerre pour l'Algérie En guerre pour l'Algérie voilà il y a six épisodes qui sont sortis donc avec ces différents entretiens et en plus de ça il y a les entretiens complets qui sont ouais. aussi disponibles sur Arte donc n'hésitez pas à Allez, ah, c'est gratuit, gratuit donc n'hésitez pas ouais. si euh, ce qu'on vous dit là est les traduit gens on évoque, euh... Pour ce qui est en arabe c'est fait... pas encore complètement traduit Ce sera, sera traduit en arabe euh, en arabe bientôt pour juillet c'est ça Non ça je l'inverse dire les gens qui parlent en arabe on va les sous-titrer en français oui d'accord les sous-titrages sont en cours. C'est un travail encore en cours. Et oui, ça, par ça, ailleurs, ça. le film va être traduit en arabe. En arabe aussi, ouais. euh, donc sera diffusé en juillet. Mais donc n'hésitez pas à, à aller regarder parce qu'on évoque. Et moi, j'avoue, quand j'ai vu le docu, ça m'a un peu saisi parce que c'est ouais, de, de la violence. Et quand Bien ça sûr. et ça s'est déroulé bah, en France et ça s'est ouais. étendu. On va revenir euh, parce que c'est très intéressant de savoir comment est-ce que le FLN a été soutenu par des voisins, mais aussi par des d'autres pays un peu Bien plus sûr, un peu ouais. plus éloignés. Mais oui. j'aimerais Comment est-ce que la France du coup amène des, des jeunes hommes du coup en Algérie ah oui. Comment est-ce que ça se passe euh, Moi, en, en, comme je disais en début de l'émission, moi c'est vrai que mes, je, je ne sais pas pourquoi, moi on m'a parlé de l'Indochine, mais mes, mes ben oui, grands-parents m'ont parlé, parlé, ouais. ouais. parlé de l'Indochine, ils m'ont parlé de ce qui s'est passé là-bas. Euh, mais c'est vrai que en Algérie, c'est le contingent qui était envoyé, donc c'était des jeunes hommes qui faisaient leur service militaire et donc dont on a étendu la période du service militaire oui. de 18 à 30 mois. Ça dépend. Oui, ça a été étendu et ils ont été envoyés en Algérie. Leur service militaire, c'était d'aller en Algérie. Mmh. Est-ce que, quand on était jeunes français appelés comme ça, est-ce qu'on euh, est qu nous disait ce qu'on allait faire en Algérie ou est-ce que ou vraiment c'était juste service militaire Alors, et tu vas en Algérie bah, C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans l'époque, dans le, dans dans pardon, mais euh, l'information est essentiellement radio-presse mmh. la radio est complètement contrôlée par l'État. Complètement contrôlée. Quand la télévision va se créer pendant la guerre, euh, elle va être complètement contrôlée. Et la presse, ben, elle, fait son, elle fait son boulot, mais elle fait ce qu'elle peut. Donc, euh, la parole de l'État, quand l'État dit quelque chose, et en l'occurrence des mensonges, on va y revenir, mmh. c'est plus compliqué de, le, de, de savoir que c'est pas vrai. En fait, qu'aujourd'hui ou quand même une source d'information dans un pays démocratique comme le nôtre, qui est, qui est pas mal. Donc, la parole officielle, c'est vous allez faire votre service militaire en Algérie. C'est la France, c'est logique, c'est des départements français. On peut vous envoyer en Corrèze, on peut vous envoyer en Algérie, on vous envoie en Algérie. Donc, voilà. Ils y vont quand même tous en Algérie. Alors, là. Ils y vont quand même un peu tous, et globalement, ça part en Algérie. Il y a un, il y en en 90 000 qui y vont quand même en Algérie. Voilà. Donc, donc en fait, on leur dit qu'on qu va faire leur service militaire, mais on leur dit aussi qu'ils y vont pour maintenir l'ordre. On leur dit qu'ils y vont pour pacifier. Comme on ne veut pas employer le mot guerre, on emploie le mot paix. Pacifier, rétablir la paix. Euh, donc c'est quand même qu'il y a un peu la guerre, mais bon. Euh, donc ils y vont pour ça, mais ils savent pas très bien ce qu'ils vont y faire. Et, euh, en tout cas, les raisons pour lesquelles ils y vont, ce n'est pas du tout, comme ça a été le cas pour la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, une mobilisation. Pour les guerres mondiales, le pays est en guerre, le pays est agressé, et l'État décrète la mobilisation générale. Ça veut dire que tous les hommes en âge de porter les drapeaux, nan, 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 les armes, nan, nan, sont mobilisés, doivent aller à la caserne la plus proche, etc. Une mobilisation générale. Ce n'est pas du tout ça pour l'Algérie, puisque la France a jamais admis qu'elle était agressée. Non, parce que chez nous. Un, voilà, donc c'est chez nous. Donc comment faire pour avoir, pour pouvoir envoyer plein de gens sans le dire. Donc résultat. Alors, le mot pacifier région, je sais qu'en ce moment aussi, mais on va garder le terme. Là, en ce moment, ouais, je sais que ça va tend pas, pas mais, pacifier, oui, ouais. Non, mais c'est exactement la même problématique euh, qu'a eu la Russie en Tchétchénie, par exemple. Euh, en Tchétchénie, euh, la Russie refuse de parler. Là, je parle de la guerre qui a eu lieu en Tchétchénie dans les années 90 et jusqu'aux années 2000. Euh, la, la, la Russie a considéré que la Tchétchénie c'était chez elle. Jusqu'aux années 2000, et donc refusait de parler de guerre. Mmh. Donc parlait de. Euh, comment est-ce qu'ils disait ça Conflits locaux. Voilà. Donc on a des problématiques qui sont assez proches, en fait, quand un État venait, euh, venait ce qui se passe. Et d'ailleurs, en Tchétchénie, pareil, on envoyait des, des appelés. Bref. Euh, donc en France, on envoie des jeunes dont c'est pas le métier, qui ont 20 ans, et dont c'est un des éléments de leur devoir de citoyen. Donc à l'époque, c'était une évidence. Tous les garçons faisaient leur service militaire. Ça veut dire quoi, un service militaire faut quand même rappeler qu'on n'est même pas dix ans après la deuxième guerre mondiale, donc la perspective qu'il y a encore une guerre est juste évidente en mmh. fait. Hein. Donc on se prépare à la guerre. Donc on apprend à tirer, on apprend à obéir, on apprend à se cacher, on apprend à je sais pas quoi, bref, on apprend des trucs plus ou moins techniques, mmh. etc. Bon, ils se retrouvent en Algérie, ils sont pas du tout préparés parce qu'en fait c'est une guerre de guérilla, on les a pas trop préparés et, euh, et ça va être un peu compliqué d'ailleurs pour pour certains d'entre eux. Et en plus c'est une guerre où euh, Je ne sais pas si on aura le temps d'en de reparler, mais ce n'est pas du tout qu'une guerre militaire. C'est une guerre politique, essentiellement la guerre en Algérie. Et l'enjeu, c'est convaincre la population algérienne de rester derrière la France. Donc, on ne va pas simplement taper sur les rebelles. Mmh. On va aussi s'adresser à la population. Par exemple, un exemple on va s'adresser aux femmes algériennes. On va leur dire, regardez votre situation, ce que vous font les hommes de votre culture, de votre pays. Mmh. La France, c'est beaucoup mieux, ça émancipe, ça vous libère, choisissez la France. Donc, Et ça, c'est les soldats qui tiennent ce discours-là, qui sont chargés aussi, donc c'est complètement bizarre. Mmh. Donc c'est ni un travail de militaire, ni vraiment un travail d'appeler qui s'entraîne. Enfin voilà, donc ils partent tous. Et effectivement, il y a quand même des gens qui n'ont toujours pas compris qu'ils partaient à la guerre. Il y a des familles... Qui n'ont toujours pas compris. Aujourd'hui, on peut dire oh, mais quand même, sont... c'est quand même évident. Mmh. Mais non. Euh... C'est ce que j'ai travaillé dans mon livre sur Papa, qu'as-tu fait en Algérie Mais c'était aussi Frérot, qu'as-tu fait en Algérie Ou, ou euh, Marie, qu'as-tu fait en Algérie Parce mmh. qu'il y a plein de gens qui ne savaient pas ce qu'ils avaient que... fait en Algérie. Oui. Parce qu'ils ne s'y sont pas intéressés, parce qu'ils ne lisaient pas la presse critique, parce qu'ils avaient juste mmh. le, le truc à la radio qui leur disait Oui, il y a des petites opérations. Et, et voilà et puis la réalité aussi, elle est très différente d'un soldat à un autre aussi au final. Parce Bien que c'est ce qu'on apprend aussi, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient dans le Sahara, oui. et dans le Sahara il se passe pas, pas grand-chose. On Même. boit beaucoup de bière dans le Sahara, et voilà. voilà. Et d'autres qui étaient au final dans oui. le bled, et là où pour le coup il y avait les maquis, et où là pour le coup bah, on pouvait avoir bah, justement se faire prendre en embuscade dans les montagnes en Algérie, quoi. Ouais, ouais. Ça c'est ça c'est aussi très compliqué quand on discute aujourd'hui avec des gens qui euh, ont qu'un son de cloche. Qui est ce que leur a raconté leurs proches euh, ou par exemple je sais pas quoi justement euh, ou même le président de la République Jacques Chirac euh, qui a été un ancien d'Algérie et qui disait l'Algérie c'était euh, euh, comment il a dit ça 18 mois au soleil voilà parce que lui il est au Sahara justement bon oui. et c'est sans doute vrai pour lui ou, moi j'ai travaillé avant sur euh, la, la question des de la torture pratiquée par l'armée française je montre dans ma thèse qu'elle est massivement pratiquée massivement mais il y a des gens qui me regardent en face et qui me disent, on n'a jamais torturé en Algérie, j'y ai passé 18 mois, je n'en ai jamais vu. Mais c'est vrai. Mmh. Mais elle est quand même massive. Simplement, il y a des endroits où, pour une raison que je peux tout à fait expliquer, ça n'a pas lieu. Donc c'est très très divers et effectivement l'exposition est très différente au danger. C'est parce qu'il faut être capable d'expliquer tout ça. Parce que je réfléchis par exemple à la Seconde Guerre mondiale, on va avoir des historiens spécialisés sur le front de l'Est. Ouais. Spécialisés sur un front. Mmh. Quand on est en Algérie, historien d'Algérie, je pense qu'il faut être capable d'expliquer plein, de, les situations, et plein de situations. La guerre de 8 ans, c'est super long. Oui. Les, y a des, les stratégies changent les, les, les armements changent. Il y a un moment où les hélicoptères arrivent et ça fait une grosse différence. Euh, on construit des barrages électrifiés, minés. Euh, évidemment, ça fait une grosse différence quand on essaye de les passer. Donc, c'est vrai que moi, j'étais obligée de devenir historienne très précise. Alors, je ne suis pas assez compétente, mais voilà, en fonction des régiments, en fonction des zones d'affectation. faut être capable de. Ce n'est pas du tout la même Surtout guerre. Surtout que quand toi, tu travailles avec des. Comment dire Avec des, ben avec des gens qui ont fait l'Algérie. Des anciens combattants, oui. Des combattants. Ouais. Bah, ils te disaient un truc, il faut ah bah que tu oui oui quand même oui. répondre en mode... oui. Ah bah oui. Votre, alors, vous, vous étiez basé bah là, oui, bien sûr. effectivement, bien sûr. mais le régiment d'à côté, oui, oui. eux, ils en ont fait parce que oui, euh, oui. telle ou telle raison. Mais du coup, là... Parce qu'en en fait, on peut remettre là. La... il y a quand même des logiques. Hein. Oui, c'est ça. Il y a quand même des, il a, il a quand même des logiques, ouais. évidemment. Et on va en reparler. Est-ce qu'on peut nous remettre la frite, s'il vous plaît Parce qu'en fait, au début, euh, on a une sorte de de guerre qui se lance. Euh, ouais. C'est une sorte de drôle de guerre, on va dire, où les gens arrivent. Il euh, y, y, a, y a une intensité modérée, on va dire, dans ouais. les combats. Et puis, il euh, va y avoir un basculement du conflit euh, en 1955 avec, euh, justement, aussi des, des paysans à Constantine oui. qui vont, qui vont se, se révolter. Et là aussi, c'est un tournant. Ouais. Euh, voilà, des, des paysans qui, qui se révoltent. Le FLN qui est, qui, qui est derrière. Pourquoi est-ce que c'est est un tournant, ce, ce 20 août 1955 bah En fait, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que... Donc, côté français, on a vu, c'est des... Soldats amateurs oui. euh, qui vont faire la guerre. Il y a bien sûr des soldats professionnels. Hein, et euh, je ne sais pas si c'est ton grand-père euh, qui était euh, militaire de carrière, mais les militaires de carrière, pourquoi ils racontent l'Indochine et pas l'Algérie Parce qu'en en fait, ils racontent l'Algérie, mais c'est pour dire que c'était moins bien que l'Indochine. L'Algérie, ce n'était pas vraiment une guerre. C'était voilà. mmh. une espèce de mépris pour leur adversaire. De fait, la guerre est beaucoup plus dure en Indochine dans la deuxième partie de la guerre et la guerre devient beaucoup plus une guerre frontale. Parce que les Vietnames, enfin les Vietnames, épaulés par la Chine, enfin bref. Donc il y a aussi des métiers de carrière en Algérie. Donc on a vu, côté algérien, il n'y a pas d'armée. Là, j'ai vu, tu avais mis euh, ouais. armée de libération nationale. Oui, ça c'est pareil, c'est la bataille des mots. Mmh. Ils disent, nous on est une armée. Mais c'est ça. <laughs> la LN, donc, qui est l'armée de libération pas nationale, qui est la branche armée, si vous voulez, du FN. Oui, mais il voilà. n'y a pas d'armée du tout. Enfin, c'est-à-dire que, bon. que ce sont des paysans. Ce sont des paysans qui ont des fusils de chasse. Donc, en fait, c'est pour tuer euh, les animaux, en fait. Hein, ça. Pour faire la chasse. Donc, les hommes algériens, ils sont, ils sont tous... Hein, ils ont tous... Euh, pour le coup, la différence des Français, ils savent manier les armes. Mmh. Ça fait partie d'être un homme hein, dans la campagne. Mais, d'ailleurs, la France confisque les fusils de chasse assez vite. Hein, elle a conscience que ce sont des armes qui ah peuvent oui, devenir des suite, armes de guerre. De... Ouais, okay. ouais. Et les gens les planquent, etc. Puis après, ils vont avoir d'autres armes. Ils vont récupérer des armes en les piquant aux Français, beaucoup. Puis ils vont avoir de, des, des soutiens étrangers qui vont on leur permettre de récupérer des armes ou des anciennes armes de la deuxième guerre mondiale qui ont été abandonnées au cours des combats de la deuxième guerre. Donc il y, y a des stocks d'armes, mais ce n'est pas des super armes. Et donc ils sont très mal armés. Ils ont évidemment aucune hiérarchie euh, préexistante. Et donc tout ça, ça doit naître de rien quasiment. Hein. Oui. Donc ce sont des ruraux, oui, qui montent. Donc on dit qu'ils montent au maquis parce qu'ils vont se cacher dans les grottes, dans la montagne. Et, euh, et au départ, ils attaquent avec des haches, etc. Donc, le, le moment de bascule de août 55, c'est ça. C'est une action coordonnée. Cette fois, ce n'est pas quelques individus qui font des attentats. C'est plus de 1000 personnes qui, ensemble, s'organisent pour fondre littéralement sur des petits villages de colonisation et massacrer les habitants. Et donc, là, on franchit un cap parce que, là, pour le coup, intentionnellement, on tue des Français. Qui sont des civils Qui sont des civils, des mineurs, des, des, des je sais pas quoi, des, des commerçants. Voilà, ah, oui. des... Et on les tue parce qu'ils sont français. Et ils sont cibles. Et ils sont pas armés. Donc là, c'est très clairement des massacres. Hein. C'est pas des représentants de l'autorité. des Enfin, y en a aussi. Mais y en a non aussi. Mais enfin, c'est pas voilà. le but en tout cas. A, on tue des Algériens aussi d'ailleurs. Hein, dans ce, il y a plus de 120 ah, oui. morts. Il okay. y a, mm. j'ai pas les chiffres en tête, Il y a 90 Français à peu près dans ces, dans ces 120 morts. Donc on tue des, des Algériens qui sont suscés, soupçonnés d'être liés à la France, etc. Et donc là, c'est un, un point de bascule, parce qu'effectivement, il y a une violence qu'on n'a jamais vue de la part du FLN, qui, qui, qui va très très loin à ce moment-là. En fait, c'est un chef du FLN qui pousse à ça. Et évidemment, pourquoi il fait ça C'est très clair. Hein parce qu'il veut une répression. Ouais. Et là, il n'est pas déçu. Hein 10 000 morts en 10 jours. Il n'est pas déçu. Donc là, effectivement, c'est un fossé de sang qui n'a pas du tout l'effet escompté. Parce que l'effet escompté, ça pourrait être de terroriser tous ceux qui veulent s'en prendre à la France. Mais non, l'effet, ce qui va se passer, c'est que les Algériens vont progressivement se détacher de la France et euh, rejoindre le soutien au FLN, plus ou moins. Mm -hmm. C'est-à-dire, voilà, on va vous cacher, on va vous héberger, ou tout simplement, euh, on va attendre un peu de voir dans quel sens non, le vent on une, tourne. On prête une oreille un peu plus attentive, peut-être, à, ouais. à ces gens qui se cachent dans le maquis ouais. et qui viennent de... Enfin, voilà, qu'il y a une répression, 10 000 morts, quand même, c'est fort, et ça... Mm. J'imagine que ça rappelle aux mauvais souvenirs de Sétif aussi oui, des années avant. Oui, parce que c'est au, au, au même endroit. Parce que c'est au même endroit. C'est quasiment dans les mêmes lieux. Dans l'est de l'Algérie. Donc il y a effectivement des familles qui, euh, qui ont des souvenirs bien cuisants de cette période-là. Oui, tout à fait. Ouais, donc il euh, y, y a ça aussi qui rentre, qui rentre en ligne de compte. Donc il euh, y a... Donc, pour, pour revenir sur, sur, les militaires, sur les militaires français, euh, comment est-ce que du coup eux vont connaître aussi l'intensification des combats On le disait, c'est une guérilla, donc il ouais. faut les trouver. Enfin, faut trouver les, les, les ennemis. Les ennemis nous trouvent aussi sur des embuscades. C'est un peu euh, ouais. le, chat, le chat et la souris. Comment est-ce qu'ils racontent ça Est-ce que il euh, y a, comme par exemple pendant la, la première et la seconde guerre mondiale, est-ce qu'ils peuvent le euh, Est-ce qu'il y a les lettres sont surveillées mm -hmm. Est-ce qu'il y a un, Comment est-ce qu'ils ouais. euh, bah peuvent traduire ça Alors, en fait. Euh, quand on fait de l'histoire, euh, on aime bien... Euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais... Euh, euh, Pendant les guerres, l'État contrôle. L'État est autoritaire. Oui. Beaucoup plus. Mmh. On suspend les libertés. Toutes sortes de libertés sont suspendues. D'ailleurs, on l'a bien vu récemment, euh, quand on a décrété qu'on était en guerre ici, ça a justifié qu'on suspende un certain nombre de libertés. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand c'est la guerre, l'État s'octroie des droits qu'il n'a pas d'habitude, et notamment celui de contrôler le courrier. Et alors, pour les historiens, c'est génial parce que ça fait des sources. Il contrôle le courrier, il ouvre les lettres, hein, concrètement. Il y a des censeurs qui ouvrent les lettres, qui regardent, et qui recopient les propos jugés, par exemple, défaitistes, ou jugés euh, euh, risquant d'informer l'ennemi. Il les recopie. Et. Donc, il le recopie dans un cahier à part, il note le nom du scripteur, mmh. et en gros, le type, ça va mal se passer pour lui. Et par ailleurs, sur la lettre en question, il passe au noir. Donc, par exemple, ma chérie, euh, hier ça a été l'enfer, euh, mmh. la moitié de la patrouille est morte, ça c'est passé au noir. Alors, je... Bonjour, et puis il reste, euh, je t'embrasse tendrement, je pense à toi. Voilà. Et la lettre, elle arrive chez les gens, elle est toute noire, sauf le début là. la fin. Bon, il m'a embrassé tendrement, je, voilà. je sais pas pour le reste. Quoi. Mais nous, nous, historiens, on a le cahier de censure, ce qui était vraiment dit, et c'est passionnant. Pour l'Algérie, au début, je me suis dit. Avec un peu de chance, il y aura la même chose. Mais en fait, euh, j'étais bête parce que c'est pas une guerre. Eh oui. Pas une guerre. Oui. Donc l'État peut pas se pointer et dire, en fait les gars, vous faites votre service militaire, vous êtes séparés de chez vous pendant 18 mois, vous allez écrire à votre chérie, mais on va surveiller, on va ouvrir toutes vos lettres. En fait, ça serait pas du tout passé. Mais ça, oui. Donc il n'y a pas de contrôle. Sachant qu'en plus les permissions sont très courtes. Il n'y en a quasiment en a pas. Quasiment pas. Ouais. En plus de ça, on aurait, on aurait dit. C'était euh... pas possible d'assumer que cette, de dire que c'était pas une guerre. Donc résultat, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais ils s'auto s'autocensurent. C'est ça. Et en fait, ils disent pas ce qu'ils veulent. Et c'est là où c'est drôlement intéressant, c'est-à-dire que en fait, ils ont intégré. Pour certains, ils ont peur qu'on ouvre leur courrier. Bon, mais la plupart, ils savent très bien qu'on ne l'ouvre pas. Et euh, donc pourquoi, pourquoi ils disent pas la vérité pourquoi ils disent pas euh, hier le convoi qui est parti euh, euh, ben est pas rentré mmh. parce qu'il y a une embuscade ou pourquoi ils disent pas euh, je sais pas quoi il euh, y a eu un attentat dans le village et il euh, y avait mon pote qui prenait un verre au café euh, qui est pas revenu pourquoi pourquoi ils disent pas ben parce que justement c'est pas pas la peine que l'état contrôle en fait ils le disent pas parce qu'ils veulent pas inquiéter chez eux parce qu'ils sont censés faire leur service militaire oui. alors ils sont censés faire un peu de pacification donc ils ont bien conscience que ce n'est pas tout à fait normal, il faut faire attention, être plus prudent que d'habitude, mais de toute façon, ils sont dans un pays étranger, l'Algérie c'est étranger pour eux, étrange et étranger, ils ne connaissent pas les Français de cette époque, ne voyagent pas, ils ne sont jamais allés de l'autre côté de la Méditerranée. Donc en fait, ils racontent l'exotisme absolu de cet espace, de ces gens, de leur culture, de leur langue, certains avec racisme, d'autres avec juste curiosité et surtout stupéfaction de voir que c'est ça, là, les départements français d'Algérie, ah, bah exactement ce qu'on leur avait raconté, en fait. Ah oui, ouais. Donc, ils racontent ça à leurs proches, qui comprennent bien qu'il faut qu'ils fassent un peu différemment, qu'il faut pas qu'ils mangent la même nourriture que... Enfin, bref. Mmh. Mais donc, ils vont cacher. Et donc, moi, ce que je montre dans le livre, après avoir travaillé sur leur correspondance, c'est que euh, en fait, ils vont cacher le cœur de l'expérience de guerre. Ce, ce qu'on appelle en historien l'expérience de guerre, c'est-à-dire le moment où ta vie est menacée, ou où, où tu as le droit de tuer. Ce cœur-là de la violence, ils le cachent. La plupart du temps, il le cache. Il le fait mise au mieux et il le cache souvent. C'est fou, vous êtes pudeur, euh, enfin la pudeur, ou en tout cas des fois le, ouais, le fait de pas avoir envie de le raconter, de ne pas du tout. Euh, parce ils ne que... veulent pas inquiéter. C'est ça. Ils veulent pas inquiéter. De toute façon, ils sont là. Ils sont bien obligés d'être là. Ils n'ont pas d'autre op option, donc ça ne sert à rien. Euh, pour certains, ils ont tenté de raconter et ils se sont rendus compte qu'on ne comprenait pas. Ils ont tenté, ils ont eu fait miser un peu, ils ont laissé comprendre à demi mot, pensent-ils, mais leur demi mot pas du tout perçu. Du coup ils disent il ah, n'y a pas grand monde qui me répond ou qui cherche à comprendre ce qui se passe. En fait non, beaucoup, ça euh... les étonne pas. Non non, je, je pense à ah, un par exemple, un, un, un monsieur euh, extraordinaire qui m'a, enfin, extraordinaire parce, par sa générosité, qui m'a donné accès à toute sa correspondance avec sa maman et ses lettres, etc. Enfin ses lettres à ses amis, fait enfin, plein de choses. Et euh, il est il est posté. Dans une région très dure d'Algérie, il est dans un régiment qui est opérationnel, il est vraiment en guerre. Vraiment en guerre. Il y a plein de morts dans son régiment, c'est la guerre. Mais il raconte tellement pas ça à ses parents dans ses courriers que sa mère, un jour, lui a écrit Surprise On a acheté le guide vert, on va venir te rendre visite. Parce que ça a l'air drôlement euh, beau, l'Algérie, en fait. On a un petit problème, en fait, là, parce que je suis un peu occupé. là. En vrai. Et là, il répond à sa mère. Ouais. Mais alors, ça ne va pas du tout être possible, en fait. Donc, en fait, il écrit à son père en disant ah ouais, J'ai pas tout, tout dit. Terrain, quoi. Mais papa, là, en fait, euh, -y 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 -y. ils font vraiment pas qu'elle vienne. Oh, et c'est tellement drôle. C'est ah. tellement drôle. Donc, voilà, c'est donc, cette espèce de. Parce qu'ils ne veulent pas inquiéter, parfois, ils réussissent très bien. Et ils réussissent tellement bien que c'est ce que j'ai compris en travaillant c'est que quand on a menti pendant un an à ses proches, quand on rentre et qu'on les retrouve, bah, c'est pas hyper facile de leur dire la vérité en fait. Mm. Donc parfois ils n'ont pas parlé parce que juste, bah, c'est pas possible de parler. Ouais. C'est pas possible, ils sont pas très à l'aise avec leurs propres mensonges. Ou ils continuent la logique de tout s'est bien passé, je vais très bien, je suis revenu vivant, c'est l'essentiel, tu penses que c'est l'essentiel, je pense que c'est l'essentiel, on va rester sur ça. Oui. Et, et ça continue comme ça. Alors, c est, c est, alors ça, c'est la parole aussi des anciens combattants. Euh... Ce qui est expliqué aussi très bien, je trouve, dans le documentaire, euh, c'est. Euh, par contre, ce qui va être médiatisé, c'est euh, les violences en Algérie. À un moment oui. donné, les, les, les journaux, alors je plus exactement par quel procédé, mais les journaux vont savoir qu'il se passe des tortures en Algérie. Et il va y avoir aussi une sorte de. de la population va se dire Ah, l'armée française fait ça alors. Alors, oui et non, parce que les journaux, c'est des journaux. Alors, oui, pardon, oui, à un moment très précis. Mmh. En fait, euh, en 1957, à Alger, Alger, c'est. En face de Marseille, hein. Alger c'est sur la côte, Alger c'est la grande ville d'Algérie, il y a des journalistes, il y a des diplomates étrangers. C'est un peu plus compliqué d'être discret. Voilà. Et en plus, quand on met des parachutistes qui n'ont rien à faire dans une ville, alors c'est pareil, aujourd'hui avec Vigipirate, on a des hommes surarmés partout. Mmh. Mais il faut imaginer que cette situation, peut-être vous, vous trouvez ça normal mais en fait, il y a un moment où c'est arrivé en France, euh, en France, de la, notre France aujourd'hui, C'est arrivé avant, avant, ça nous choquait. Moi, qui viens d'un autre monde, ça me choque toujours. Mmh. Vous, je ne sais pas si ça vous choque encore. Je ne vous cache pas les gens de ma génération, mais nous, de voir des gens armés dans une gare, ça ne nous, ça ça, ça nous choque pas trop. Nous, non, ça ça va... vous choque, ça vous choque vrai, pas trop. Mais en voilà, bah, voilà. je sais que c'est Vigipirate. Voilà. Quoi. Et donc, je sais, bon, bah, ils ont des armes, bon, bah, bah c'est voilà. la sécurité. Quoi. Moi, je les ai vus arriver. Et ça a été une révolution quand ils sont arrivés en France. Donc, bref, tout ça pour dire que. Euh, Quant à Alger, les parachutistes, qui sont exactement les mêmes qui sont dans nos gares, là, aujourd'hui, euh, sauf qu'ils n'ont pas de gilet pare-balles, hein, à l'époque, euh, de ce genre-là, euh, patrouillent à Alger, ça fait un choc, tout le monde le remarque. Quand ils arrêtent des gens en pleine rue, ça se repère. Donc, à un oui. moment, ce qui se passe à Alger, l'information arrive. Euh, donc, encore une fois, sur la question des tortures, par exemple, euh, des disparitions forcées, des choses qui existent avant, en Algérie, euh, l'information n'arrivait pas. Grâce au fait que, enfin, du fait que c'est à Alger, ça arrive. Et donc ça arrive, y compris dans une presse non militante, parce que jusqu'à présent, il y avait un peu la presse militante. Notamment, ça arrive dans Le Monde. Voilà, le grand journal, le quotidien du soir, Le Monde. Il euh, y a des textes qui arrivent, qui disent qu'on mmh. torture en Algérie, euh, qu'il se passe des choses affreuses. Il y a un éditorial, donc c'est le, le rédacteur en chef du journal, euh, qui fait quand même un texte incroyable qui s'appelle Sommes-nous les vaincus de Hitler qui fait directement référence à la Gestapo et qui dit, sommes-nous les vaincus de Hitler alors qu'on pratique des violences les qui choses. sont dignes de la Gestapo C'est ultra-violent de dire ça. Mmh. À, dans une France ce euh, -là, fondée, quoi. 4e République, Général de Gaulle, Résistance, etc. Bon. Donc, il y a, y a un moment où on sait, mais ce qui est fascinant, enfin, moi, ce qui continue à me fasciner, mais avec toutes les guerres qu'on vit aujourd'hui, je crois qu'on s'en rend bien compte, c'est qu'en fait, il y a un moment où on sait, et puis un moment où on s'en fiche. Mmh. En fait, on sait. Enfin, c'est quand, quand même que des Algériens. Voilà. Bon. Et puis, euh, bah, c'est la guerre, ou c'est ce qui se passe en Algérie, c'est la pacification, c'est comme ça. Puis voilà. Et, oui. Et puis après, le général de Gaulle va arriver, il va tout. Bref, on va, on va trouver une solution, etc. Et en fait, très vite, cette émotion, qui est une émotion politique forte, en fait, hein, qui concerne essentiellement la gauche, mais la gauche est au pouvoir à ce moment-là en France, donc c'est une émotion qui ébranle le gouvernement. L'armée française torture en Algérie. Waouh, quand même. Ça fait vaciller le gouvernement. Puis après, elle continue. Hein. Elle continue. L'armée française, elle n'arrête pas. Hein. C'est rigolo parce qu'on a, a l'impression qu'aujourd'hui, nous, nos générations des réseaux sociaux, on passe d'une émotion à l'autre très rapidement. Au final, ça date pas de, ça date pas d'hier aussi. Cas pour quoi. Ça, c'est très frappant. Il ouais, mmh. y a vraiment euh, le pouvoir étouffe. Le pouvoir dit, euh, d'abord dans un premier temps, ils disent exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Quand en 2005, il y a eu les scandales sur le, les tortures dans les prisons en Irak. Mmh. Ils ont réagi exactement comme a fait le gouvernement français en 1957. Première réponse, c'est pas vrai. C'est oui. faux. Okay. Okay. Deuxième réponse, ah, en fait, c'est peut-être vrai, euh, mais c'est vraiment euh, des brebis galeuses. Donc c'est des mauvais soldats. On comme marginalise. Ça. Oui, des mauvais oui, soldats. L'armée est bonne, mais il y a des mauvais soldats à l'intérieur. Donc rotten apple, Donc c'est des les pommes pourries dans le panier. On va les sortir, de, mais le panier lui il est bon, le panier. Mm -hmm. Et ensuite euh, euh, sanctionner ceux qui ont donné l'alerte. Donc c'est ce qui se passe aux États-Unis, hein, où les, les, les lanceurs d'alerte font de la prison. Et en France, c'est pareil. On sanctionne, on pourchasse les quelques uns qui ont donné des informations sur la pratique de la torture. Et après, on va faire un petit rapport pour dire, on va faire une enquête, on va résoudre la solution, on va résoudre la situation, etc. Et euh, attendez donc le rapport avant de vous énerver. Et puis le rapport, on va le faire traîner, 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 okay. traîner, traîner, traîner. Voilà. C'est vraiment une tactique de base qui fait qu'effectivement, et une émotion chasse l'autre par ailleurs. Donc euh, voilà. Il y a, et donc, c est, c est, pour revenir sur ces violences, justement, tu, tu as travaillé dessus, tu as fait ta thèse sur le, oui. sur le sujet. C'est comment ça s'articule concrètement Comment est-ce que ça se passe ces violences Pourquoi est-ce qu'elles naissent De quelle nature elles sont Alors, euh, il y en a plein. C'est compliqué de répondre comme ça, mais euh, la guerre en Algérie, c'est une guerre de guérilla, donc c'est des violences de type embuscade, et c'est une guerre dans la population. Donc, c'est une guerre qui a besoin de renseignements pour euh, démanteler les cellules politiques. Mmh. Et c'est une guerre dans la population, au sens où je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une guerre où on veut convaincre la population algérienne de ne pas soutenir le FLN, au mieux, et d'être derrière la France, ça serait quand même pas mieux. Mal, oui, ouais. Et donc, une, la violence la plus massive, c'est euh, le fait d'obliger de, des gens à quitter leur maison, leur village qu'on va détruire. Pour éviter que ça devienne des repères de cache pour l'armée de libération nationale et tous ces gens, on va les regrouper dans d'autres villages qu'ils vont eux-mêmes construire ou qu'on va construire pour eux dans les vallées. Donc c'est des gens de la montagne qu'on met dans les vallées. Parfois on les déplace de 3 km. C'est pas grand-chose. Sauf que ça change tout. Quand vous êtes un berger dans les montagnes et qu'on vous met dans une vallée, quand en plus on vous met en fait dans un nouveau village, mais en fait c'est un camp Hein, mmh. avec des barbelés autour gardés par des militaires français. Ça, c'est une violence Clairement. de guerre énorme qui euh, déplace de force 2 millions de personnes pendant la guerre. 2 millions. Sur 8 millions Sur 8, de 8 millions. Générale. Un quart de la population algérienne, et si on réduit à la population rurale, c'est encore plus, c'est sans doute un tiers. Donc c'est colossal, et ça a eu des impacts sur l'économie et la société algérienne euh, radicaux c'est une violence et c'est une manière de faire la guerre. On ne s'y attend pas, on ne pense pas toujours à elle, on pense mmh. plutôt aux gens qui meurent, etc. Mais voilà. Et puis, comme c'est une guerre fondée sur la terreur, du côté du FLN, on pratique des méthodes de terreur et du côté français aussi. Sauf que les Français sont beaucoup plus puissants que euh, la des On dit nationale. que quand il y avait des tortures notamment, c'était des deux côtés. Voilà. Donc, oui, on pratique la torture des deux côtés. Simplement, on n'a pas le même, la même force des deux côtés et on n'a pas les mêmes intentions et les mêmes motivations. Donc, côté algérien, même si euh, pas de travaux ont été faits sur ce sujet ou à peine, euh, la torture est pratiquée dans un contexte quand même très précis qui est, euh, pour le dire vite, une espèce de torture judiciaire. P Fausse justice, hein, mais justice de guerre où on va euh, torturer ceux qu'on soupçonne d'être des traîtres. C'est ça c'est redoutable. Hein. Parce qu'évidemment, sous la torture, vous pouvez dire n'importe quoi. Hein. Vous vendez euh, père et mère. Hein. Donc, euh, dans ce contexte-là. C'est ce genre de justice. On les fait peu... avouer. Enfin, c'est le oui. justice avec 12 000 guillemets, ce pas de la justice. Hein. Oui. C est, c est, mais c'est un simulacre de justice avec, une des, avec des aveux qui sont obtenus sous la torture. Et les gens sont condamnés à mort et tués. Hein. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'existe qu la torture, euh, majoritairement, qui justifie son usage, enfin, qui explique son usage. Rien à voir avec ce qui se passe côté français. Côté français, la torture est une euh, arme de guerre massivement pratiquée avec deux buts. Un but euh, officiel qui est obtenir du renseignement officiel, euh, qui est de dire euh, on a besoin de savoir où se trouvent euh, nos ennemis, on les connaît pas et comme ils sont cachés dans la population, etc. Et cette justification par le renseignement, elle va être euh, inscrite dans les textes. Donc parfois on dit par connu oui oui dans inscrit dans un texte, il y a un texte qui a été signé par un, un lieutenant-colonel ou est colonels plutôt euh, parachutiste et un aumônier parachutiste, un aumônier catholique, un texte qui s'appelle entre deux mots choisir le moindre mot MAX qui veut dire en gros qui justifie en gros la torture par le terrorisme. C'est-à-dire qu'il dit en face de nous, nos adversaires sont prêts à tuer des femmes et des enfants, mmh. des gens non armés, etc. Dans l'hypothèse où on arrête un de nos adversaires, OK, on va lui donner des claques, c'est pas bien, mais enfin, c'est. Voilà. Entre deux mots, choisir le moindre. Merci. Alors, c'est un raisonnement complètement biaisé, complètement faux, puisqu'en réalité, euh, quand l'armée française arrête des gens, elle n'arrête que des suspects elle n'arrête pas des coupables. Parce que si elle arrête des coupables, elle n'a pas besoin de ça. Bon, bref. Donc le, le raisonnement est complètement faux. Il faut vraiment bien se le dire. Il est complètement faux. Il est très puissant, mais il est faux. Il est faux au départ. Il a été réutilisé par les États-Unis, il a été réutilisé en Israël, il, il est réutilisé par les, par les États hein, qui pratiquent la torture. Mais il est faux. En tout cas pour la France, il est faux. On, on l'utilise aussi contre les maquis. Il faut savoir où sont les caches d'armes, il faut savoir où sont les grottes, où se cachent les gens, etc. Donc ça, c'est la version euh, premier but officiel, le renseignement. Et ce but-là, il est autorisé par l'armée française. Il est même plus qu'autorisé, il est euh, recommandé. Mmh. On va développer la structure de renseignement, je le montre dans ma thèse, euh, à tous les échelons de l'armée française. On multiplie les, les services de renseignement. Mais le vrai but, à mon avis, euh, et le but ultime qui justifie la pratique de la torture beaucoup plus fondamentalement, c'est qu'on vise la population. C'est-à-dire qu'en fait, la torture est une arme de terreur. La torture, ça fonctionne sur le fait d'arrêter quelqu'un, de le faire disparaître. Les gens, sa famille, ils ne savent pas où il est. Il sait pas où il n'y a, a pas de papier, il n'y a pas de reçu, il mm n'y -hmm. a, a pas de numéro d'écrou, il n'y a pas de centre où on sait. Ça, il y a des témoignages de ça qui en parlent. Ça, c'est fort. Quand ils disent voilà. on n'a pas eu de nouvelles, il a disparu du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et ça, c'est fou quand ils racontent ça. Parce Donc, il voilà. faut imaginer la tête des gens. Quoi. Mm -hmm. Ils ne savent pas s'il va revenir, dans quel état. Donc, pour la personne qui est arrêtée, la torture fonctionne sur des mécanismes psychologiques. Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu d'en développer, mais enfin voilà, elle fonctionne sur un certain nombre de mécanismes qui fait qu'on peut parler de torture. Qui est qu'en gros, on fait croire aux gens qu'ils vont mourir. Enfin, on, ils sont entre les mains littéralement de leur bourreau. Et pendant ce temps, à l'extérieur, ça gamberge. Oui. Est-ce qu'il va parler S'il sait quelque chose, est-ce qu'il va parler Qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire la vérité, pas dire la vérité euh, Est-ce qu'il va revenir vivant etc. Et, et, et tout ça. C'est efficace, ça fait peur et ça terrorise. Et c'est ça aussi théorisé, mais de manière évidemment plus discrète, euh, et à certains moments de la guerre moins discrète, très clairement par certains officiers de l'armée française aussi, mmh. qui disent, le FLN pratique la terreur, nous devons pratiquer la contre-terreur. C'est explicitement dit comme ça. Hein. Donc c'est vraiment euh, parce que c'est une guerre dans la population, parce que c'est une guerre dont l'objectif est de convaincre la population. Que la pratique de la torture est si massive et si répandue. C'est vraiment ça qu faut, euh, qui, qui, qui explique sa place en fait. Voilà. Quelqu'un qui dit dans le chat euh, du coup, Atao, il dit, ce n'est pas officiellement qui une... pose une question. Ouais. n'est hein, pas officiellement une guerre. On... Est-ce qu'on est soumis au droit de la guerre justement ouais, donc, aux question. limites de pratique de la torture Super bonne question. Euh, la torture est interdite. Elle est interdite par le code pénal. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'aller chercher euh, le, le droit de la guerre à l'époque. Hein. Personne n'a le droit de torturer en France. En fait, c'est interdit. Donc, si vous torturez, euh, euh, je ne sais pas quoi, chez vous, votre voisin, euh, vous êtes voilà. Et oui, on ne peut pas régler ce souci-là par le mot le moins bien non voilà. pas. Ça ne non, non. Non. Voilà, marche pas. Vous ne faites pas ça chez vous. C'est interdit. <laughs> donc de toute façon, de rappeler, en fait, c'est interdit. Est-ce que l'armée a le droit de le faire parce que c'est un contexte particulier <laughs> euh, Donc, comme ce n'est pas la guerre, la France va plaider que le droit de la guerre ne s'applique pas. Le droit de la guerre, c'est quoi C'est des conventions internationales que la France a signées. Donc ça, elle devrait les appliquer. Et en réalité, dans le droit de la guerre, mais je ne vais pas rentrer dans les détail, mais dans le droit de la guerre, il y a une partie dont on pourrait considérer qu'elle s'applique au cas de ce qui se passe en Algérie. Donc la France a des juristes qui vont expliquer que non, ça ne s'applique pas. Mais de l'autre côté, euh, le FLN va expliquer que oui, ça s'applique. Et le comité international de la Croix-Rouge, qui est dans le monde euh, cet organisme suisse qui est chargé de l'application du droit de la guerre, mmh. se prend la tête littéralement. Parce que la guerre d'Algérie, c'est la première fois dans un contexte pareil qu'on a un conflit, alors que le droit de la guerre existe, il a été renouvelé après la Deuxième Guerre mondiale, le droit de la guerre existe. Et là, on a un conflit d'un type particulier. Et donc. C'est assez intéressant dans les archives du CICR. On voit qu'ils se posent des questions. Ça marche ou ça marche pas Ça s'applique, ça s'applique pas En fait, c'est vraiment une discussion à l'époque. Ouais, c'est une discussion. Et donc, le contingent français va grossir jusqu'à 400 000. Ouais, ou jusqu'à ouais. jusqu jusqu même plus de 400 000. Justement, on parle de la, la, la Croix-Rouge qui se prend la tête. Hum. Comment est-ce que réagit l'ONU Comment est-ce que. Enfin, parce qu'au final, ouais. euh, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. L'ONU, bon, que, comment est-ce est qu'ils voient ce, ce qui se passe en France à ce moment Alors, l'ONU, c'est deux choses. C'est le Conseil de sécurité où siège la France. Mm -hmm. Donc là, la, la France, la Grande-Bretagne, ils sont. Donc. Euh, okay. euh, Q et chemise. Q et chemise, il n'y a, a, a pas d'enjeu là. Euh, mais l'Assemblée générale des Nations unies, ça, oui, ça, c'est une arène politique euh, énorme pour euh, les nationalistes algériens. Parce que euh, c'est quasiment tous les pays qui sont représentés aux Nations Unies. Et la guerre commence en 1954, mais elle dure jusqu'en 1962. Et dans cette période-là, les empires coloniaux français et britanniques s'effondrent. Donc en fait, tout autour de l'Algérie, ça s'effondre. Et ça s'effondre, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a plein de pays qui deviennent indépendants. Oui. Et qui donc rentrent aux Nations Unies. Donc ça va être autant d'alliés potentiels pour euh, le FLN. Donc aux Nations Unies, on fait quoi On a des assemblées générales annuelles où on discute des problèmes du monde. Mmh. Et donc les Algériens nationalistes, au départ, les, le MNA aussi, mmh. le MNA et le FLN, ils ont des amis qui vont poser la question de ça serait peut-être bien qu'on regarde ce qui se passe en Algérie. Mmh. Et la France va tout le temps dire ça ne vous regarde pas, affaire intérieure française. Donc il y a des débats aux Nations Unies euh, régulièrement sur. D'un côté, la position de la France qui n'évolue pas à faire française, et de l'autre côté, le FLN qui marque des points avec de plus en plus de pays qui le soutiennent. Et ça va évoluer comme ça, et ça va changer seulement à la fin de la guerre. Mais le FLN va très clairement jouer cette carte de euh, la reconnaissance par le reste du monde, tant pis si la France ne reconnaît pas. Mmh. Non. Oui. Et notamment, ils vont utiliser le droit de la guerre. J'ai fait un livre sur les prisonniers français faits par le FLN. Euh, où je travaille sur ça justement. Le, le FLN, alors que c'est une guérilla mal armée, mmh. euh, ben voilà, euh, c'est vraiment très très compliqué pour eux, euh, Et ben ils s'efforcent de faire des prisonniers et de les garder en vie. Mmh. C'est complètement délirant, ça n'a aucun sens de faire un truc pareil. Ils ont à peine à manger pour eux et ils font des prisonniers dont ils se chargent. Pourquoi ils font ça Parce que quand on a des prisonniers on est un belligérant, on est partie prenante d'une guerre. Mmh. Et donc, ils vont essayer de prétendre traiter leurs prisonniers français comme des prisonniers de guerre, au sens officiel du statut international. Et après, ils vont dire, vous voyez, on a des prisonniers de guerre, donc on est une vraie armée, mmh. donc on est le représentant d'un peuple... Donc écoutez-nous, discutez avec nous. Et en plus de ça, ils vont discuter comme parfois un État avec des alliés, avec l'Égypte voilà. de Nasser, avec. Bah, ils vont aussi se faire aider par des voisins comme la Tunisie ou le Maroc. Oui, ouais, les deux. Euh, les deux. Euh, donc euh, ils sont dans la, la conférence de ou où... Oui, oui, ils sont à Bandung. Ils sont ils à Bandung, ouais, donc euh, ouais. dans les pays non alignés. Donc ils sont ni avec le bloc de l'Est, ni avec le bloc de l'Ouest. Oh, ils, vont, ils vont chercher partout. Hein. Ouais, ils ça. vont manger à tous les à râteliers, le et râteliers, ils vont chercher Mais partout. Mais en tout cas, ils veulent exister sur la scène internationale, puisque oui. même si la France ne veut pas les entendre, eh d'autres pays peut-être nous entendront. Voilà. Exactement. Ils ont, ils ont compris, euh, et c'est très malin, hein, euh, que le monde changeait et qu'on pouvait peser sur la France. Ils ont compris très tôt, ils savent, en fait ils le savent d'emblée, hein, qu'ils ne gagneront pas la guerre militairement. Ils ne vont pas mettre la France à genoux, c'est pas possible. Ils savent qu'ils n'auront aucun allié militaire qui les aidera, comme le Viet Minh a eu la Chine. Mm -hmm. Ça n'arrivera pas. S'ils veulent gagner la guerre, il faut qu'ils la gagnent politiquement, il faut qu'ils créent du rapport de force. Donc ils essayent de le faire en interne. Il pourrait y avoir en France une opposition à la guerre, par exemple, qui, se... qui existe. Pas vraiment. Mmh. Euh, il pourrait y avoir des options comme ça, il n'y en a pas. Donc, ils vont trouver la solution par l'international. Donc, effectivement, ils ont un soutien matériel, humain, économique, militaire euh, de plein de pays. Donc, leurs voisins directs, la Libye, oui. la Tunisie, le Maroc, euh, mais aussi l'Égypte mais aussi euh, les démocraties populaires donc ce qu'on appelle les démocraties populaires donc euh, la RDA la Yougoslavie la Tchécoslovaquie des mm. choses comme ça euh, les pays du monde arabe enfin bref donc ils sont ils ont quand même euh, un, un écho ça. Hein, et des, ils ont des espèces d'ambassades en fait mm -hmm. dans tous ces pays à qui ils expliquent leur lutte encore une fois dans un monde où c'est le mouvement c'est le sens de l'histoire l'indépendance de l'Algérie en fait donc ils n'ont pas non plus un travail de conviction dingue à faire, mais ils le font, et ils ont comme conviction à faire de dire que c'est eux les représentants du peuple algérien et pas les autres de Messali, ça c'est leur travail ça aussi. ça aussi leur enjeu, oui. c'est ça, c'est d'être la seule voix qui, oui. qui est entendable du coup à l'international. On peut peut-être nous remettre la frise justement pour qu'on puisse un petit peu resituer un petit peu, voilà, où est-ce que, est que nous en sommes justement dans, ces, dans, dans, dans les déroulés il y a évidemment un autre passage important. Alors on pourrait venir voilà sur cette instabilité politique en France qui a du mal à mater, on va dire le problème de le problème de l'Algérie ouais. aussi, qui reprend enfin, des nouveaux gouvernements qui reprennent un peu le dossier, et du coup qui essaient de le régler un peu. Oui, il y a une instabilité gouvernementale. On dit souvent ça quand on veut parler de la 4ème République, mais en fait il y a une stabilité du personnel. C'est-à-dire qu'en fait ça change de gouvernement, mais c'est toujours les mêmes gens. Et ceux qui ont changé de. Donc voilà, Mitterrand euh, il est à l'intérieur. Après il passe à la justice. Parce que Mitterrand euh, est dans les affaires aussi. Ouais vrai. ouais, ouais C'est ouais. fou parce que Mitterrand dit l'Algérie est française. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est pas vraiment l'idée qu'on se fait de la gauche euh, quand même. Euh... Ah oui, mais c'est quand même la gauche qui, c'est la gauche qui, qui euh, enfin, c'est pas n'importe quelle gauche, c'est les socialistes, hein, mmh. euh, alliés avec les communistes, qui vont vraiment euh, euh, aggraver hein, euh, oui. la répression en Algérie. Ça, c'est absolument indéniable. Et du coup, il y a quatrième république et on l'a vu sur la crise aussi, il y a le retour aux affaires du général de du Gaulle. Général de tout Gaulle. à fait. Ouais. il y a un... la crise de 1958 euh, qui donne naissance France, à notre euh, actuelle Vème République mmh. hein, à partir de 59. La crise, elle est notamment liée au fait à ce qu'on disait juste avant, à savoir que la guerre échappe aux mensonges français et que euh, la Tunisie a attaqué la France en disant il euh, y a un problème. Les États-Unis ont dit euh, la France fait n'importe quoi. Et donc la crise, elle s'aggrave de ce point de vue-là. Et, euh, et en Algérie, euh, les partisans du maintien de l'Algérie française, euh, les militaires, mais aussi euh, les colons, les, les, les tenants d'un, quand je dis colons, c'est les tenants d'une Algérie française qui ne bouge pas. Qui ont des vrais bastions dans les villes aussi, quoi, pour ils le sont, coup. Voilà, euh, ils commencent à se dire que ça, les carottes vont être cuites là bientôt et qu'il va mmh. falloir faire quelque chose. Ils ont très très peur d'une négociation avec le FLN qui, qui commencerait, et donc ils vont Tenter un putsch. C'est-à-dire soutenir des militaires qui disent Vous inquiétez pas, euh, si le gouvernement fait n'importe quoi, nous on sait ce qu'il faut faire pour l'Algérie. Le putsch des généraux. Alors, c'est pas le putsch des généraux, parce que. Enfin, ah. oui, c'est déjà des généraux, mais <laughs> ça s'appelle pas comme ça, parce qu'en en fait, on dit pas ça, puisqu'en en fait, ils ont échoué dans la mesure où c'est pas eux qui ont pris le pouvoir, mais ils ont réussi à ce que De Gaulle arrive au pouvoir. qui mmh. certes, est général, mais il n'arrive pas en tant que général. Donc, c'est moi qui dis qu'ils ont tenté un putsch. Euh, on pourrait dire qu'ils ont fait donc un coup d'État, pour le dire autrement. En 1958, on a des militaires qui forment ce qui s'appelle un comité de salut public. Donc ils imitent le modèle de la Révolution ah, française. Ça, un comité de salut public. Nous, on va diriger maintenant l'État, en tout cas en Algérie, et à Paris, trembler à Paris, disent-ils. Et de fait, Paris tremble. Paris tremble beaucoup. Et donc on sort de la crise, je le fais vite, on sort de la crise en recourant à un homme qui fait à peu près consensus. Du côté des politiques en France, alors la gauche est contre, réticulement contre, elle fait des manifestations contre De Gaulle, hein, elle a, peur, elle a ah dit oui, que le fascisme ça. va revenir en France, etc. Il y a une hostilité contre De Gaulle qu'on a oubliée, mais mmh. euh, voilà. Euh, mais à part la gauche, qui est quand même très importante, il y a quand même euh, suffisamment de gens qui soutiennent le retour aux affaires du général De Gaulle, et euh, qui a réussi à convaincre qu'il n'était pas un fasciste, et euh, l'armée d'Algérie, qui est d'accord, parce que finalement c'est un général, donc après tout, pourquoi pas. Bon, il y a une espèce de plusieurs intérêts très divergents en fait qui vont converger très temporairement autour de la figure du général de Gaulle et donc ce putsch va se transformer très vite en crise gouvernementale en simple crise gouvernementale avec un nouvel homme qui arrive et qui prend la tête du gouvernement sauf que ce nouvel homme il dit en fait j'ai pas les bons outils pour gouverner il faut changer la constitution oui. donc ok je reviens mais le deal, c'est qu'on change la Constitution, quand même. Donc, c'est énorme, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un gros... Euh... Et de fait, il va... Donc, il aurait pu prendre le pouvoir un et homme dire... Il n'y a pas de consensus, à la base, quand il est appelé, voilà. quand même. Donc, il euh, y a beaucoup de si pour qu'il puisse revenir Donc, l'inquiétude sur le hein, fascisme, hein, elle, est, elle est sérieuse. Hein. C'est-à-dire qu'il aurait pu arriver et dire « Donnez-moi les pleins pouvoirs mm ». -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer, parce qu'il arrive et il, il obtient les pleins pouvoirs pour six mois pour l'Algérie. Bref, il refabrique la Constitution, il la fait voter par référendum, les Français sont très massivement derrière de Gaulle, ils en ont marre de la Quatrième République, ils en ont marre de la guerre en Algérie, ils, ont, ils, ils sont prêts à... ils font confiance, ils sont prêts à, à redistribuer des cartes et à donner plus de pouvoir à l'exécutif. Et donc la deuxième partie de la guerre, elle commence là, avec la politique menée par le général de Gaulle, qui a d'autres moyens, d'autres moyens politiques, d'autres ambitions, et qui va très vite évoluer. Autant la première partie de la guerre, c'est une espèce de fixation. On ne bouge pas et on veut garder l'Algérie française. Les quatre années d'après, c'est une évolution très rapide du général de Gaulle sur l'Algérie française. Il arrive avec le, le désir de la garder. Et très rapidement, et c'est les différentes scansions de la chronologie là, très rapidement, il va dire en 59. L'autodétermination est une option que je veux bien considérer. Mmh. C'est la révolution. C'est hein, dingue parce qu'il y a 4 ans de guerre. Alors Il me semble qu'on a le... Voilà, on peut mettre le ou ouais. où euh, voilà, il parle de l'autodétermination ouais. algérienne. Quoi. Je pense qu'on va pouvoir mettre la, la vidéo. Alors, en tant qu'ils qu sont la... des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien là, il commence déjà à parler du fait que tour à tour, il y a des pays, etc., qui sont, qui sont passés en Algérie, mais à la suite de ce discours, il parle après de l'autodétermination ouais, quand Oui, c'est vraiment... Enfin, l'ensemble du discours est passionnant, en fait, et selon en, les bouts qu'on qu choisit... C'est ça, parce que là, si on prend cette partie-là, en gros, non, il n'y a jamais eu de, de voilà. gouvernement algérien. Mais en fait, dans la suite du discours, il dit, mais ça pourrait être une option. Ça pourrait être une option. Donc, la France serait la première à laisser... La Grande France serait la première, C'est ça. dans toute l'histoire laissé une option à l'Algérie. Euh, et là il est en train de, 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 de prépa il est en train de prendre un, un rôle qui va prendre aussi par la suite qui va être cette capacité à euh, présenter le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide quoi. Mm -hmm. parce que concrètement il est en train de céder et il va le présenter comme un acte généreux quoi. un acte mais ah, là, de... en même temps quand on l'écoute bien donc il dit voilà une des, une des options c'est l'autodétermination mais il y en a d'autres, hein, auquel il est le plus ou moins favorable, ça, etc. Ouais. Et je demanderai son avis au peuple algérien à terme. Donc en fait, c'est un peu comme on vous dit euh, je, ok, 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 euh, on verra après les élections. On verra. Donc là, en l'occurrence, il fait ce discours, mais il ne se passe rien. Mm -hmm. Et en fait, il va falloir attendre janvier 1961 pour qu'il y ait le fameux référendum sur l'autodétermination. On l'a mis dans la Donc c'est quand même effectivement, long. Effectivement, il, il y a un très très long effectivement avec jean une 61 et il y a le Monde qui titre euh, 60. Vous pouvez appuyer sur la sur la une du Monde et euh, le Monde qui dit euh, 75,25 de suffrage exprimés en métropole et voilà. 69,9 pour le oui pour le oui de l'autodétermination. Oui oui pour le oui, oui géré, voilà. Parce qu'il y a eu des penseurs aussi qui sont qui sont arrivés. Ah, bah, de dans toute la... façon, au moment où le référendum a lieu, hmm. pour le coup, il s'est passé tellement de choses. À ce moment-là, il est évident que l'Algérie sera indépendante. Enfin voilà, et les Français, ils en ont ras le bol en plus. Les ouais. métropolitains, ils veulent que ça cesse euh, parce qu'une guerre, ça coûte cher. Hein on le voit là en ce moment. Une guerre, ça coûte cher. Donc l'argent qu'on investit dans l'Algérie, ça ne veut pas dire l'argent simplement pour des tanks, etc. Euh, comme je l'ai expliqué, euh, on construit des villages. Mmh. Euh, on construit beaucoup en Algérie pendant la guerre puisqu'on veut. Convaincre les Algériens que c'est mieux d'être avec la France. Donc, on va découvrir qu'il n'y a pas d'école en Algérie. Ah tiens, c'est marrant, depuis 100 ans, il n'y a pas d'école. Donc, on va se mettre à construire des écoles. Qu'il n'y a pas beaucoup de routes en Algérie qui vont vers les villages, parce qu'il y avait que des routes vers les villages français. Ah ben, on va construire de nouvelles routes. Qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie en Algérie. Ah oh, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas d'industrie. On va construire de l'industrie. Donc, on investit énormément d'argent en Algérie dans cette période de la guerre. Cet argent, il bénéficie pas aux métropolitains. Donc, le pouvoir d'achat des métropolitains... S'en euh, ressent. Oui. Et donc il y a un moment où l'Algérie, ça coûte trop cher. Mmh. Donc ça, ça fait partie des arguments, c'est pas l'unique. Il hein. oui, euh, y a Mais aussi y a le aussi. reste du monde, etc. Mais voilà, il y a un moment où on a envie que les garçons reviennent, on a envie, etc. Et, euh, et donc la, la politique du général de Gaulle, elle est accompagnée d'un consensus populaire. Mmh. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont pour l'indépendance, hein. ils sont juste pour que ça s'arrête euh, la guerre. Mais le référendum, les chiffres là qu'on a vus, il faudrait les regarder plus en détail. Le référendum en Algérie, il est terrible, parce mmh. qu'il montre quoi Que dans les villes françaises, on a voté à 75% contre. Mmh. Contre. Et ça, ça prépare la fin de la guerre, c'est-à-dire la crise, le déchirement de la fin de la guerre, la ville où les Français d'Algérie, mmh. euh, qui étaient des gens de toutes les opinions politiques avant la guerre, qui étaient même euh, largement euh, à gauche. Là, ils vont tous se ranger, euh, même si ça ne va pas se traduire dans les urnes parce qu'il n'y a plus d'élections. Euh, mmh. Mais ils vont soutenir les partisans les plus radicaux de l'Algérie française parce que ben parce que voilà, ils ne veulent pas partir d'Algérie, quoi. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui disent dans le chat, et c'est vrai que le, le, ça répond aussi à la question de l'argent qui est investi beaucoup à ce moment-là en Algérie. Ça répond un peu à la question de oui, ils étaient bien contents parce que la France mettait de l'argent dans l'Algérie, parce qu'à ce moment-là, les gens beaucoup d'argent pendant ouais. la guerre aussi dans les oui, dernières oui. années parce qu'ils ont rendu compte qu'en termes d'infrastructure il fallait aussi rattraper un retard qui avait été ah bah pris oui, par rapport à, au département métropolitain euh, moi forcément il y a une question que moi qui me trotte dans la tête évidemment c'est quand De Gaulle dit euh, je vous ai compris ouais. et il comprends quoi <rire> <rire> qu Mais moi qu je ne suis pas dans la tête de De Gaulle Bien et sûr, je, je n'ai pas cas, son journal que, intime euh, mais, que... mais en fait ça fait des décennies que les historiens se demandent euh... Euh, mais pas seulement sur le Je vous ai compris. Hein, que, est il y a assez, aussi un, un truc sur. Euh, il est ça parce qu'il a eu ça. Mais je pense qu'il, quand il y a une foule, il devait être utilisé euh, parce qu'il a une déclaration un peu similaire quand il va au Québec où il dit oui, vive, le sûr, le, le vive le Québec libre. Et en fait, les Québécois ils sont en mode mm. D'accord. Si je vous si ai tu veux. compris est euh... assez, assez euh, et, et encore plus euh, et encore plus ouvert mm. que vive le Québec libre comme interprétation. Donc, il faut, encore une fois, il faut voir l'ensemble du discours. Mm. Hein, on, re, on retient ce Je vous ai compris. Ce qui est sûr, c'est que euh, il, il arrive en Algérie, il tient ce discours en juin quand il arrive au pouvoir, euh, et d'une certaine manière, il arrive en Algérie en disant à la population algérienne, c'est-à-dire française d'Algérie, mais aussi algérienne d'Algérie, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, il le dit comme ça. Euh, parce que qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit au, au mois de mai. On en a ras-le-bol de ce qui se passe, euh, la solution euh, n'est pas trouvée par le gouvernement, il faut changer de gouvernement, renversons le gouvernement. Mmh. Nous, en Algérie, nous, pouvoir politique, nous, pouvoir militaire, unis dans un comité de salut public, oui. on sait ce qu'il faut pour l'Algérie. Oui, et dans cette foule qui soutient ce comité de salut public et qui va acclamer De Gaulle en juin, il y a aussi des Algériens. Mmh. Alors les historiens ont travaillé depuis et ont montré que ces fameux Algériens, ils avaient souvent été emmenés en car ou en camion par l'armée. Pour applaudir. Bon, donc il n'est pas certain qu'il y en avait beaucoup à l'intérieur qui étaient vraiment intéressés par l'arrivée au pouvoir mmh. du général de Gaulle. En tout cas, c'est l'image que ça donne. Et donc, ce, je vous ai compris, c'est population d'Algérie, j'ai une solution pour vous. Quoi. Quelle solution Ça, on ne sait pas. Mmh. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote c'est que quand on, a fait le... quand on a fait la collecte patrimoniale pour préparer la série documentaire, on avait un, un certain nombre d'événements qu'on savait qu'on devrait raconter. Oui. Et euh, notamment. Euh, Mai 1958, le retour aux affaires du général de Gaulle. Et le projet de la série, c'était raconter la guerre d'Algérie par en bas, par les gens qui l'avaient vécue, avec leurs archives, avec leurs souvenirs. Et donc on posait la question aux gens qui avaient été en Algérie en 58, on leur demandait, euh, qui nous racontent, euh, le « je vous ai compris oui, » en gros. Et les Algériens, ben, ils n'en avaient pas de souvenirs. Mmh. En fait, c'était un non-événement. C'est fou, fou quand même. Ouais. Et à force, quand il y en a un, quand il y en a deux, quand il y en a trois, quand il y en a dix, on se dit non, en fait, c'est pas que euh, c'est une réponse politique, De Gaulle ne m'intéresse pas. C'était un non-événement. Oui. Alors que tous les Français s'en souviennent. Mais alors, tous les Français s'en souviennent. Mmh. Qu'ils le détestent ou qu'ils l'admirent, ils s'en souviennent. Qu'ils en aient eu peur ou qu'ils en aient été heureux, ils s'en souviennent. Et ça, enfin ça, il faudrait le travailler encore, mais euh, voilà, sur euh, l'adhésion des Algériens ou l'intérêt même. En fait, on a pensé les choses en termes d'adhésion, et les, les historiens ont montré que voilà, n'y avait pas forcément l'adhésion dont on ouais, avait euh, pu parler, qu'elle est à nuancer Mais c'est même plus que ça, c'est que voilà, c'est pas le sujet quoi. Ouais, ça reste la France, ça reste la France. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Ouais, – C'est intéressant de, de remettre dans les contextes des gens qui l'ont vécu, ouais. et puis voir aussi... Le, parce que vous, vous, vous interviewez aussi un, un jeune homme, ben un, un, un homme du coup ouais. qui était jeune garçon à ce moment-là, qui faisait son service militaire en Algérie, qui dit ouais, quand, on a, quand De Gaulle arrive au pouvoir, je ne suis, suis pas gaulliste, mais je suis plutôt content. Et quand il commence à parler de l'Algérie, il parle d'autodétermination, mais on a, en fait il pense que ce que dit De Gaulle, c'est plus pour ouais, calmer, calmer les ardeurs de l'ONU et dire qu'on va... Mais en fait, quand ça se passe vraiment, il se dit... Ah ouais là il dit et là il sent que on s'en va il sent que quand tout le monde commence un peu à plier bagage mmh. et il euh, y a une sorte et il raconte l'angoisse qui commence à monter aussi dans les villes à ce moment-là qui se disent oh là là les militaires ouais. sont en train de partir mmh. euh, nous qu'est-ce qu'on va faire c'est ça c'est ça les Français d'Algérie commencent à avoir peur commencent à avoir peur pour leur avenir commencent à se poser des questions euh, n'envisage pas de partir parce que partir où comme le dit d'ailleurs un des témoins dans le film, partir où Ils n'ont pas d'autre endroit où partir. Aujourd'hui, on a une représentation un peu biaisée. On a l'impression qu'il y a des Français qui sont en Algérie, ils reviennent en France et on dit rapatriés. Mais il faut se souvenir que ces gens-là, ils ne connaissent pas du tout la France, en fait. Mmh. La plupart, ils sont italiens, espagnols d'origine et ça fait quatre générations qu'ils sont en Algérie. Donc, partir où donc, en fait, c'est angoissant, sans qu'il y ait de solution, d'alternative. De, Donc, mmh. beaucoup imaginent pouvoir rester en Algérie assez longtemps, en fait. Enfin, assez longtemps dans la guerre. Il y a des gens qui parlent pourquoi est-ce que le général de Gaulle n'a pas mis en place le plan de partition d'Alain Perfit de 1961 ben, Que les gens euh, peut-être restituent parce que Alors, non, recours. non, c'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs euh, discussions hein, mmh. pendant, pendant la, la fin de la guerre sur comment s'en dépatouiller cette affaire, hein, comment en sortir. Et euh, quelque chose qu'il faut peut-être dire, c'est que la France euh, découvre en 1956 du pétrole au Sahara. Mmh. Le pétrole, euh, euh, donc énergie, hein, euh, essentielle pour notamment le développement de l'industrie automobile et de, et de l'automobile individuelle, qui va devenir, ce qu'il n'est pas encore à cette époque-là, l'automobile, devient à ce moment-là vraiment un, un bien de consommation euh, que les ménages possèdent mmh. tous. Donc le pétrole au Sahara, le gaz mais surtout le pétrole à ce moment-là. Et puis euh, la France euh, se dote de l'arme nucléaire et fait les premiers essais au Sahara en février 1960. Donc assez vite, euh, quelques mois plus tard, les négociations vont commencer avec le FLN. Enfin en gros pour dire vite avec le FLN. Mais pour De Gaulle et pour le pouvoir politique, il n'est pas question de laisser le Sahara parce que le Sahara, c'est voilà, c'est l'avenir de la France en termes d'énergie à tout point de vue. Hein et d'un point de vue stratégique. Et donc il y a des gens qui réfléchissent à partitionner l'Algérie. Oui, donc il y a des propositions, il y a diverses propositions de partitionner l'Algérie, soit euh, de laisser le Sahara à la France et de faire accéder le reste du territoire à l'indépendance, soit de délimiter, donc c'est ça la référence à Perfit, soit de délimiter des zones euh, pour les Français. D'accord. Voilà, où il y aurait une Algérie française qui pourrait survivre. Et puis l'Algérie algérienne. Oh, Puisque en... de fait, au fur et à mesure de la guerre, on a bien vu que les populations ont bougé, de force beaucoup pour les Algériens. Les Français se sont euh, rétractés en ville, et dans les grandes villes d'autant plus. Euh, donc il voilà. donc, y a plusieurs projets pour partir sans partir, tout en partant, et en gardant en même temps là, un certain nombre d'intérêts, hein. etc. Après tout ce qui s'est passé. Ça ne marche pas. Mais dur. surtout parce que du côté du FLN, des négociateurs de ce qui s'appelle à l'époque le gouvernement provisoire de la République algérienne, il n'en est pas question. Mmh. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très clairs, c'est l'intégrité du territoire algérien euh, depuis le début et ils ne démordent pas de cette ligne. Donc euh, les Français ont, ont pu se faire plein de plans dans leur tête. Mmh. Hein. Euh, les négociations montrent très bien que c'est une ligne rouge absolue, oui. en fait. Donc euh, quand il y a eu quelques nos négociateurs qui ont proposé, discuté algérien, ils se sont fait taper dessus. Enfin, c'est non négociable. Donc. Euh, donc, non, il n'y a pas d'autre option, en fait, euh, du tout. Mmh. Mais, je vois... oui, oui, Mais en revanche, les, gens, les Français auraient pu rester. Mmh. Ça, c'est l'autre grosse question. Mmh. C'est pourquoi les Français sont partis Qu'est-ce qui a motivé le départ des Français euh, de cette terre qui était la leur, oui. euh, même si elle n'avait plus un drapeau français dessus et même s'ils n'avaient plus euh, les mêmes droits, euh, les mêmes privilèges, je devrais il dire plutôt, euh, qu'avant pourquoi oui. ils sont partis Pourquoi est-ce qu'ils sont, est qu sont partis On va y revenir juste après, mais pour aller doucement, mais sûrement vers la fin du, du, du conflit, parce que leur fil, évidemment, et donc, évidemment, si on veut partir, vous voulez avoir plus de détails, évidemment, sur tout ce qu'on raconte là, je vous invite évidemment à aller regarder la série ah. documentaire aussi, parce que pour le coup, ça balaye plein de sujets. Il y a quand même un truc important, c'est que De Gaulle va s'asseoir à la table des négociations avec le FLN. Les représentants de De Gaulle. Les de, Gaulle de Gaulle, jamais. Pas De Gaulle, mais parce en que... tout cas, mais oui, la oui, France bien bien va s'asseoir à la table des négociations. Mais euh, bien sûr, mais, euh, euh... En fait, de Gaulle euh, n'a pas du tout envie de négocier avec le FLN. Il voulait, il voulait avec le MENA à la base. Il me cherche n'importe qui plutôt que le FLN, en fait. Tout sauf eux. Tout sauf eux, ouais, vraiment. Donc, alors en fait, c'est assez paradoxal parce que dès qu'il arrive au pouvoir, il, il tente ce qu'il appelle une paix des braves. Euh, moi, pardon pour les micros, moi, euh, ancien résistant, euh, je m'adresse à vous. Bon, en important, euh, la paix des Bravins pour ...maquisard mm -hmm. euh, de l'intérieur, je vous comprends. Il n'a pas dit je vous ai compris, mais en gros, c'est ça. c'est mm -hmm. Les politiques, c'est un drôle de monde, mais moi, je ne vous parle pas comme politique, je mm -hmm. vous parle comme... je vous comprends. Donc, faisons la paix par-dessus les politiques. Mm -hmm. Ça ne marche pas. ne marche pas. Il a bien tenté. Il retentera, il retentera à d'autres reprises ce discours de... Entre hommes d'honneur, on se comprend, etc. Bon il faisait du marketing avant de faire du marketing ah c'est quand, quand même un homme bon extrêmement bon doué non mais voilà. on a le bonheur. très très doué euh, Donc il est prêt à reconnaître les combattants mais pas les politiques du FLN et donc il va chercher d'autres interlocuteurs. En plus il sait très bien que sil si intronise le FLN comme unique adversaire il a déjà perdu quelque chose parce que le FLN dit depuis le début qu'il est l'unique adversaire, et qui veut être connu. Donc en fait, Alors, dans les faits, on a vu qu'il y avait aussi la menace. De qui fait, c'est un peu plus compliqué. Ça, ouais. Donc il va chercher du côté de Messali, qui va faire libérer ou il va arranger sa, sa résidence surveillée. Et il va chercher autre chose. Hein. Il va chercher à stimuler euh, une vie politique algérienne, de trouver des interlocuteurs algériens euh, qui soient, en gros, on pourrait dire aujourd'hui des, des modérés, mm -hmm. c'est-à-dire des nationalistes, mais qui ont pas envie de quitter la France, ou des gens qui sont, voilà, avec qui on pourrait entre gens de bonne volonté, bien s'entendre. Et donc, il fait plusieurs. Enfin, voilà, il y a vraiment. En 1959, il y a plusieurs tentatives comme ça de faire émerger. Et il y a des gens qui sont volontaires pour le faire, sauf qu'il n'y a personne derrière eux, en fait. Mmh. Donc, à un moment, il se, il se rend compte que s'il veut négocier, il faut des gens qui puissent entraîner derrière eux. Ça mmh. ne sert à rien de négocier avec des gens qui ne représentent personne. Donc, donc, il est obligé d'admettre. Mais c'est vraiment... Euh, ouais. euh, vraiment, vraiment, parce qu'il est obligé... Ça lui arrache, euh, parce qu'il est sous pression, arrache. en fait, à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas à raconter, qui est que, en Algérie, les gens se radicalisent. Les Français d'Algérie se radicalisent. Il y a une montée en tension très forte à ce moment-là. Il y a une montée en tension. Ils ont, ils ont failli séquestrer euh, le ministre de De Gaulle. En gros, enfin, y a une... ils ont tué des gendarmes. Les Français d'Algérie hein, qui, qui se sont armés. Mm. Euh, donc de, ça devient une poudrière, et notamment à Alger. Et, euh, et De Gaulle euh, n'aime pas du tout sans doute les Français d'Algérie, ça c'est probable, hein, qu'il n'a pas beaucoup d'estime pour ces gens comme communauté, comme peuple. Hein, et, euh, et donc il a une pression sur sa, sur sa droite, hein, une pression radicale d'une certaine manière. Donc, ça va aussi pousser vers bah voilà, il faut qu'on s'en sorte. Et donc et il y a une, une pression qui va le toucher lui-même parce que l'OAS va tenter euh, directement à sa vie alors qu'il est avec sa femme dans sa dans sa voiture, il y a un attentat, enfin il se fait tirer, il voilà. se fait tirer dessus. L'OAS c'est l'organisation de l'armée secrète pour la France euh, d'Algérie. Oui. Et euh, donc il va essayer directement d'attenter à la vie du coup du président du président du général de Gaulle. Ouais. Donc euh, là la pression est directe, plus et que directe. Absolument, il devient l'homme à abattre. Donc, pour ces Français d'Algérie qui se sont armés, dont j'ai parlé, qui vont créer un mouvement qui s'appelle l'OS en 1961, mais qui existe d'une certaine manière déjà avant, il devient l'homme à abattre. Et il y a plusieurs tentatives d'assassinat. Enfin, c'est un miracle et ce point de vue-là. Il a échappé à des tentatives d'assassinat qui étaient, qui ont vraiment, enfin, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. D'ailleurs, y compris après la guerre d'Algérie. Hein, ces gens-là lui en veulent tellement qu'ils continuent à vouloir le tuer une fois la guerre finie. Mmh. Euh, donc, donc il est poussé à négocier, pour euh, revenir sur ce que tu disais. Oui, euh, pas lui personnellement, parce qu'évidemment, c'est président de la République, oui. il n'a pas négocié, mais, mais il a des émissaires hein, qui vont négocier pendant, pendant deux ans pendant deux ans ça va être très long ouais. euh, les premières négociations vont échouer euh, entre entre les deux parties mais en tout cas l'espoir est là pour pour les pour les membres du FLN et euh, donc les les gens qui espèrent une algérie une algérie algérienne oui. euh, et euh, au fur et à mesure euh, va déboucher deux ans plus tard sur ce qu'on appelait les accords déviants euh, qui ont, ont vu leurs 60 ans euh, euh, on va dire célébrer cette, cette année et euh, en juillet en juillet de la même année l'indépendance officielle donc de oui. officielle de l'algérie euh, donc évidemment c'est une date une date clé il y aura aussi en le 21 avril, le putsch des généraux qui sera aussi une euh, représentative de la pression qui est oui. très forte, avec donc les, putschs, les généraux soutenus par les Français d'Algérie euh, qui vont essayer de, de, reprendre, de, de, le de, pouvoir, de renverser hein. le pouvoir, mmh. tout simplement. Ça ne prendra pas en métropole, euh, en métropole ouais. euh, notamment. Donc, ce qui fait que euh, ce, ces deux ans très, très tendus euh, se soldent par l'indépendance de l'Algérie. Euh, le départ des Français d'Algérie, oui. mais pas seulement, aussi des harkis, les harkis, les gens demandaient dans le chat. Oui. Les harkis, ce sont les Algériens qui se sont battus aux côtés des Français. Alors Ou pas totalement Pas exactement, exactement. exactement. oui. Alors, on va justement, on va pouvoir le repréciser. Parce que ouais. des termes aussi qui sont souvent entendus, ouais. euh, utilisés à tort et à travers. Les Français, donc, partent parce que contraints et forcés, au final, de la situation. Peut-être que certains auraient voulu rester, mais ils se rendent compte que c'est infaisable pour eux parce que. Bah en fait, euh, les Algériens sont... En fait, a... c'est pas exactement ça, en fait. Le... Ce qu'il faut bien... C'est toujours assez sidérant et il faut jamais oublier qu'il faut se remettre dans le bon sens de l'histoire pour la comprendre, bien mais... Sûr. Euh, euh, en fait, jusqu'à fin 1961, l'État français n'envisage pas que les Français vont revenir. L'indépendance voilà. ah oui. est clairement à l'horizon depuis, euh, voilà, depuis, depuis le début 61, l'été 61. Et dans les options, il n'y a pas vraiment celle-là. Et pourtant, on a des précédents, on a le Maroc, la Tunisie. Mais voilà, rien n'est fait pour accueillir la masse des Français d'Algérie. Que... Un million de personnes, on parle quand même. Oui, euh... c'est ça. Euh, le Maroc, la Tunisie, l'Indochine, les Français sont revenus, mais c'était des... quelques dizaines de milliers de gens, c'était mmh. rien. Enfin, rien en comparaison. Euh... Et donc ça va finalement être un peu encadré et pris en charge par l'État, mais globalement dans la précipitation du point de vue de l'État. Et dans la précipitation du point de vue des gens qui effectivement vont décider finalement de partir. Le finalement, c'est parce qu'effectivement, euh, autant qu'on le sache, ils n'avaient pas préparé leur retour. Donc les plus riches avaient pu mettre de l'argent en France, etc. Mais mmh. la plupart des Français d'Algérie sont des petites gens. Donc ils ont euh, leur salaire, euh, euh, leur boutique. Des artisans. Voilà, enfin, des... c'est voilà. tout. Et leur richesse, c'est ce qu'ils ont sur place et ça ne se déplace pas Bien forcément sûr. facilement. Donc ils veulent rester parce que parce qu'ils sont chez eux et parce que c'est aussi leur, leur manière de gagner leur vie. Donc c'est c'est un crève-cœur. Ce qui explique que parfois on envoie les femmes et les enfants, les hommes restent derrière pour euh, gérer les affaires, régler les affaires, espérer finir la moisson par exemple à l'été, euh, revenir après les vendanges. Enfin bon, mais ils vont partir parce que entre euh, la signature des accords d'évian, donc qui sont des accords de cesser le feu et de, important de le dire, ouais, ça. Euh, préparation de l'indépendance et l'indépendance elle-même, il y a quatre mois. Avril, mai, juin, juillet, enfin de mars à juillet, trois mois et demi. Et ces trois mois et demi vont être une période de déchaînement de violence et de gros troubles. C'est-à-dire qu'officiellement, il y a un nouveau pouvoir qui arrive. C'est plus l'Algérie française et c'est pas encore les Algériens, c'est un pouvoir mixte. Il y a des Algériens et des Français qui, ensemble, préparent... De Hop, transition, comme quoi, on lance ouais. un bateau à la mer, la prépare mmh. le, le, le largage du bateau France ou du, ba, du, du bateau Algérie indépendante. Euh, mais dans ce contexte-là, euh, l'OAS euh, décide que cette politique ne lui convient pas et qu'elle va passer à la vitesse supérieure. Donc la vitesse supérieure, c'est la violence contre l'armée française. Qui est donc à partir de là considéré comme et ce sont les textes de l'OS qui le disent une armée ennemie. Donc les soldats français sont des soldats ennemis et ils sont tués en tant que tels. D'accord. Euh, c'est pour ça que parfois les gens pensent que quand leurs proches sont partis en Algérie à la fin de la guerre, c'était presque fini, ça allait. Non non non, à la fin de la guerre, euh, il y a certains endroits d'Algérie où il fallait, il faisait pas bon être soldat français parce qu'on risquait de tomber euh, dans les mains des tueurs de l'OS. Et puis euh, l'idée c'est aussi de mettre l'Algérie à feu et à sang pour que la guerre reprenne. Donc, on va provoquer. Ah, ouais, donc, donc provoquer. On veut une reprise des reprise euh, des, des hostilités. Que ça, soit, que ça déborde, que ça ne tienne pas, que cette, un, cette indépendance, cette, cet accord, ces le feu, ne tiennent pas tant que les Français sont, sont encore là. Mmh. Et puis après, l'OS le, 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 le dit clairement euh, soit vous partez, soit, soit, soit on vous tue, soit on vous élimine. Donc. Euh, tout le monde part. Mm. Et puis, il y a aussi la violence du FLN, bien sûr, et d'Algériens qui ne sont pas forcément du FLN, euh, qui vont, et c'est assez classique en, en temps d'immédiat sortie de guerre, on l'a vu dans d'autres contextes de guerre, et en France y compris en 1945, il euh, y a des règlements de compte oui. partout, mm. euh, et des règlements de compte entre voisins, des règlements de compte des jalousies. Donc, il y a dans ce contexte-là euh, plusieurs milliers de Français qui sont tués, qui sont dépouillés. Et qui sont pour certains enlevés, dont on ne retrouve pas les corps mmh. en quelques mois. Donc là aussi, il y a un climat. Et comme c'est très localisé à certains endroits, il y a des endroits de terreur hein, vraiment. Donc voilà. Donc c'est une ambiance euh, de fin du monde, et c'en est réellement une en fait, mmh. qui va provoquer ce départ massif de Français. Donc n'est pas un million qui partent, c'est sans doute autour de 700 000, mais c'est colossal, hein, qui partent là entre en gros mai et juin. Donc faut imaginer. Euh, je me souviens d'une dame qui me disait c'est bien, c'était bien. On n'a pas entendu trop longtemps le bateau, on a entendu que trois jours. Ah voilà. Va, Donc oui. forcément les bateaux sont bondés. Oui. Les, les bon voilà. Ah oui c'est ça, ils sont bondés, ils sont bondés. En plus l'accueil à Marseille est. Après ça se passe pas très ça bien se en, passe pas en très France bien. exactement Exactement. Euh, ouais, c'est une histoire, je pense qui mériterait un live entier. Ah je pense, mais à mon ouais, avis. Ouais, ouais, et puis un euh, film aussi. C'est ouais. qu'on appelle, ce qu'on appellera les pieds noirs. C'est un nom qu'on oui. va leur donner. Oui. Euh, c'est un nom qu'on va leur donner. Aujourd'hui on les connaît. Comme ça Oui, oui bien euh, sûr. Parce y a un nom qui vont se réapproprier aussi. Alors euh, qui par... existe depuis la guerre, en fait, mais, euh, et qui se réapproprient. Déjà, euh, l'ouest avait par exemple comme euh, un, des, un des signes de distinction, c'était des petits pieds noirs. Mm -hmm. ouais, c'est euh, voilà. Et toujours aujourd'hui, hein, les petits pieds noirs, c'est mm -hmm. représentatif de certaines associations. Euh, mais oui, donc effectivement, en France, l'accueil des, des, des Français d'Algérie, mm -hmm. euh, il y a de très nombreux euh, témoignages de leur. Euh, du mépris hein, dont ils ont été l'objet, parfois de la haine aussi, du, du rejet euh, et euh, de la part de certaines populations françaises euh, qui, euh, à qui on a reproché ben voilà on s'est battu pour vous, euh, nos hommes sont tués pour vous, je sais pas quoi. Euh, et euh, alors que l'État a une politique de prise en charge mmh. assez massive en fait. Il y a quelqu'un qui demande dans le chat est-ce que du coup les membres, avec ce départ massif est-ce que les membres de l'OS sont partis eux aussi ou est-ce qu'ils sont restés en Algérie? Alors, c'est une bonne question. Euh, en fait, euh, l'OAS recrute beaucoup chez les jeunes gens. Euh, D'ailleurs, dans le film, euh, il y en a, il y a, il y a un des tueurs de l'OAS mmh. qui témoigne, et, et c'est un très jeune homme. Il a, il a, il a 16-17 ans quand il est recruté. Il recrute beaucoup chez les jeunes gens, et, euh, et la France le sait, le, le, la police française le sait. Et donc, ils vont, ils vont avoir l'idée de mettre en place un plan ce qu'ils appellent le plan Simoun, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont, ils, vont, ils vont anticiper le départ au service militaire mmh. à 19 ans pour euh, les Français d'Algérie. Voilà, juste en 62. Et c'est l'inverse de ce qui s'est passé au début pour les Français de métropole. Les Français d'Algérie de 19 ans sont requis, devoir de citoyens, à euh, faire leur service militaire et on les envoie le faire où, leur service militaire En métropole. D'accord. Comme ça, on les éloigne exprès d'Algérie. Donc, c'est assez, assez malin parce que mmh. c'est une manière de lutter contre l'OAS sans le dire, oui. euh, assez efficace. On les empêche, on, les enlève, on coupe l'herbe sous le pied. Euh, sous pas, le pas pied, de radicalisation voilà. possible en métropole. Et de fait, l'OAS conclut à Alger un accord de cessez-le-feu en juin 1962. Mmh. Pour Alger, euh, il dépose les armes. Il y a un accord qui est conclu entre l'OAS et le représentant algérien du pouvoir qui fait que l'OAS Alger arrête son activité. En juin 62. Donc il reste des, des éléments à Beaune sans doute et surtout surtout à Oran. Ça se concentre à Oran euh, et puis ça va s'éteindre naturellement, enfin si on peut dire politiquement en tout cas après, après l'indépendance. L'organisation l'OS, l'organisation de l'armée secrète comme j'avais dit juste avant, donc qui était euh, parmi les groupes armés. Pour on va ah ouais, dire, oui. le maintien de, de la France, pour le maintien de la France en Algérie, et qui fait des attentats en France, et qui fait aussi. Des attentats en France notamment contre le général de Gaulle, mais bien plus, mais, mais, mais plus largement aussi, bien sûr. Ouais. Euh, justement, le cas des harkis aussi. Oui. Les gens se posent la question qui sont les arqui ouais. euh, Certains sont revenus, en, sont venus en France. Oui. Du coup, à ce moment-là, donc effectivement, on parle d'Algériens qui sont venus en France. Qui, qui sont-ils Alors les harkis, euh, c'est une vieille tradition coloniale. En fait, dans les empires, on a, au début, on demandait comment ça tient les empires. Mais en fait, ça tient grâce aux indigènes. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, aucun empire colonial n'a les moyens tout seul, avec juste des Français, juste des Britanniques, de. de, de mm. voilà. Et donc, recruter des indigènes dans l'armée du colonisateur, c'est euh, hyper classique. Donc, l'hierarchie, euh, en fait, c'est le nom qu'on donne à une catégorie de gens qui sont recrutés dans l'armée française. Mais il y en a d'autres, des catégories, et en fait, euh, ça devient un mot-valise aujourd'hui pour oui. désigner toutes sortes de catégories de gens qui ont travaillé avec l'armée française, et même plus largement, aujourd'hui, en France, par archi, on, on, et en Algérie, on désigne en fait des gens qui ont eu un lien avec l'État français, qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quelqu'un qui est secrétaire de mairie peut être considéré comme un archi, mmh. quasiment. Donc c'est complètement impropre, évidemment. Mais c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Euh, parce qu'il y a eu un glissement de sens. Il y a eu un truc un peu plus global. Il y a eu un glissement de sens. Aujourd'hui, les gens qui en France, enfin peut-être moins aujourd'hui, mais enfin quand même, qui en France euh, parlent au nom des archis, de la mémoire mmh. des archis, etc., vous allez souvent entendre qu'ils vont vous dire ce sont des gens qui ont, et je vous les guillemets, choisi la France. Mmh. Avec une lecture très idéologique et très politique de ce que c'était que les archis. Côté algérien, l'État algérien, la constitution algérienne même, le discours officiel algérien dit la même chose, puisque les Algériens disent quoi Pardon, l'État algérien dit quoi Ils disent les Harkis sont des traîtres. Autrement dit, ils ont choisi la France. Hmm. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de notre camp, ils sont de l'autre camp, ils sont de... Le choix des mots, Donc hein. les deux côtés sont d'accord pour dire finalement que les Harkis sont des gens qui ont fait un choix idéologique. Les historiens... <laughs> montre que ce n'est pas vrai du tout. D'accord. En fait. C'est-à-dire que les archis sont des, si je prends les archis de manière euh, comme ça, la catégorie vague, de tous les gens qui s'embauchent dans l'armée française, sont des gens qui travaillent pour l'armée française. Parce que bien souvent, il n'y a pas d'autre travail possible. Parce que quand on vous a privé de vos fermes, de vos moutons, de vos oliviers, et qu'on vous a mis dans un camp, en gros, si vous voulez avoir de l'argent, le seul euh, employeur possible, c'est l'armée, en fait. Donc vous vous embauchez comme arqui. Vous pouvez ne pas vous embaucher comme arqui. Hein. C'est un choix. Mmh. Certes, c'est un choix. Mais enfin, oui, quand on a le choix entre part, ne pas de... manger mais... et travailler. Bon, voilà. Donc en fait, on a, on a bien montré que euh, le facteur économique est déterminant euh, dans l'engagement des arquis. Euh, pour certains, il y a un facteur politique. Il y a des gens qui ont oui. une tradition dans la mmh. famille euh, de servir la France. Il y en a qui ont euh, refuser de payer au FLN la cotisation révolutionnaire, oui. c'est-à-dire la, enfin, la taxation que le FLN oui. exigeait, euh, qui ont été tués, donc forcément toute la famille devient archi, oui. bon, évidemment, hein, bien sûr, mais c'est vraiment très abusif et à mon avis très dangereux politiquement, euh, aujourd'hui en France, de dire ça, de dire que les, les, oui. les archis ont choisi la France. Et en plus, ça mélange un peu tout, parce que comme de fait, il y a un certain nombre de Harkis, 80 000 à peu près, avec leurs familles, qui sont arrivés en France après 62. On a vraiment l'impression qu'ils ont choisi la France. Mmh. Ils n'ont pas du tout choisi la France, ils ont fui l'Algérie, c'est très différent. Mmh. Et donc ils ont fui l'Algérie. Pourquoi Parce que précisément, ils étaient considérés comme des traîtres par le FLN, qui dans tous ses textes officiels pendant la guerre dit que ce sont des traîtres, qui leur a laissé le choix à l'indépendance. Euh, enfin, qui leur a demandé, euh, par exemple, de verser de l'argent, mmh. leur solde, euh, euh, au, à la lutte pour l'indépendance ou des choses comme ça. Mmh. Euh, mais pendant la guerre, tout en disant que les harkis étaient des traîtres, euh, parfois, le FLN disait aussi aux harkis, euh, « Restez harkis, mais renseignez-nous. Mmh. »– Oui, il y avait ça aussi. –« Jouez ouais. double jeu, ou faites-nous passer des, des munitions. Mmh. » euh, Donc, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, la réalité de cette époque. La complexité d'une guerre en réalité. Euh, où... où les appartenances sont, en fait, euh, varient en fonction de plein de critères qui sont en plus évolutifs dans une guerre de 8 ans et lié dans une société qui était mélangée de toute manière, enfin qui était qui, qui était plus ou moins mélangée depuis euh, depuis 1830 et même un peu plus en ouais, réalité, mais ouais, ouais. Euh, et donc du coup ce qui fait que effectivement du coup la limite était peut-être moins bien tracée que dans d'autres conflits. Mais surtout il faut encore une fois se remettre dans l'époque, c'est-à-dire que la France domine, la France est puissante, mmh. le FLN on l'a dit au début c'est bon donc s'engager du côté de la France bon voilà il y, y, y a quelques personnes mmh. qui et à un moment, juste pour finir peut-être sur ça, à un moment, il y a une stratégie délibérée de la part du haut commandement français parce que la guerre commence à durer, parce que les Français commencent à trouver qu'il y en a marre de tous ces, tous ces, garçons, tous ces garçons qui partent, parce qu'en plus, on l'a dit vaguement, mais le gouvernement français fait quand même un coup pendable à tout le monde, c'est-à-dire que les garçons partent théoriquement pour 18 mois, mais en fait... Ils sont en Algérie, puis là on leur dit non, en fait, en fait ça va être 20 mois. Ah, puis tiens, non, finalement ça va être 24. Ils ouais, si peut... on passé à 27, et puis 30 c'est pas mal, etc. Donc à un moment c'est plus possible. Quoi. Et donc en fait pourquoi on fait ça Parce qu'on a besoin, 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 besoin d'hommes et qu'on sait pas comment en fabriquer plus. Donc on n'en fabrique pas plus, mais on les fait rester plus longtemps. les tenir plus longtemps. Et tout d'un coup il y a une idée géniale, on pourrait en fabriquer plus en prenant des Algériens. Et donc on va massivement recruter des Harkis. Et c'est très explicitement une stratégie, c'est-à-dire que ce que dit à ce moment-là le, le commandant en chef, c'est on va algérianiser la guerre et on va faire en sorte et dire il y a plus d'algériens sous le drapeau français que d'algériens dans la LN, ce qui est la pure vérité. Euh, numérique. Mmh. Donc là vraiment là, là à ce moment-là on embauche à tour de bras vraiment dans l'armée française. C'est à partir de 1959 en gros. La LN, qui était euh, donc l'armée de libération nationale qui était le, la branche armée euh, du, du, du FLN à ce à ce moment-là. c'est intéressant de, de comprendre ces terminologies, ces mots aussi et au final comprendre que les les mots dans cette euh, dans cette guerre ont été euh, des, armes, des, et des armes, armes. redoutables ouais. pour qualifier la guerre, qualifier les gens qui y prenaient part et euh, aujourd'hui pour euh, parfois euh, on parler des mémoires aussi aujourd'hui qui sont oui, encore sûr. une fois très, très vives, évidemment, liées à la guerre, guerre d'Algérie. Euh, aujourd'hui, alors évidemment, on pourra faire un live entier sur l'après-guerre, ouais. sur ce qui est devenu l'Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des historiens en France qui parlent de, de ce sujet. On a eu le, le rapport Stora aussi qui mmh. a été fait sur, sur, sur l'Algérie. Comment est-ce qu'on parle de la guerre d'Algérie en Algérie alors là aussi, c'est une question de mots. <laughs> oui. Parce qu'en Algérie, on ne dit pas la guerre d'Algérie. Comme on est en Algérie, on ne va pas dire la guerre d'Algérie. En fait, c'est clair pour eux que c'est la guerre en Algérie. Et en fait, ils disent. Euh, à l'époque, euh, ils disent révolution mm -hmm. ou guerre de libération. Voilà. Et, euh, Pendant le conflit, ils disent ça. Oui, bien sûr, c'est les mots de l'époque. Ouais. Guerre de libération euh, et révolution. Et euh, aujourd'hui, dans le milieu des historiens, la terminologie qui s'impose, c'est guerre d'indépendance. Mm -hmm. Guerre d'indépendance algérienne. Parce que le but c'était ça, hein, c'était l'indépendance de l'Algérie, donc euh, une guerre d'indépendance pour laquelle les uns se battaient, les autres étaient contre, etc. Et nous on a appelé la série "En guerre pour l'Algérie" au pluriel aussi parce que il voilà, y a plusieurs raisons et, euh, de faire la, la guerre, de la plusieurs guerre. manières, plusieurs motivations, oui. etc. Donc en Algérie c'est une guerre de libération et une révolution, une révolution au sens euh, politique. Hein, on, on renverse tout et on met ce qui était en dessous au dessus. Donc en l'occurrence, euh, les subalternes qui se retrouvent en position de domination. Donc c'est vraiment l'enjeu, euh, y compris économique hein, d'ailleurs, euh, pour, pour certains, pour certains euh, partisans de la lutte. Mmh. Donc ce discours officiel, il est élaboré pendant la guerre et il continue ensuite. Il continue ensuite, il est gravé dans le marbre de la Constitution. Le, la Constitution algérienne de 1963 euh, commence par une espèce de cours d'histoire, euh, qui n'est pas un cours d'histoire, mmh. euh, mais qui est un discours sur le passé. Qui dit en gros que l'Algérie a toujours existé, de tout temps, euh, qu'elle a toujours résisté, euh, de tout temps, et que euh, c'est le peuple uni et victorieux, derrière le FLN, euh, qui a payé très lourdement d'un tribut de 1 million et même 1 million et demi de martyrs, c'est la terminologie officielle encore, euh, le prix de l'indépendance. Donc tout ça est un peu rapide et complètement faux en ce qui concerne les chiffres. Euh, mais voilà, ça fixe un peu le, le, le comment dire, le, le, la, la base, hein, la base de ce qui va être euh, le discours officiel algérien. L'histoire est, est une discipline oui, est... très importante en Algérie, dans le curriculum des enfants, euh, très importante pour la formation des citoyens algériens. Mais c'est une histoire qui est, euh, qui a été, en tout cas, longtemps, et, contrôlée dans les mains du pouvoir. Il y avait un seul manuel euh, et, euh, et ce qui était dit était, euh, était très orienté. Ils disent. Un, un... 1,5 million, en réalité, on n'est plus sur. Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on dit, dit le, ouais, le c'est compliqué. C'est compliqué. compliqué. Euh, on, on, a, on a des chiffres, différents chiffres qui mmh. sont proposés. Pour le film, moi, j'ai tranché en disant autour de 400 000 euh, morts. Mmh. Tout confondu, mmh. enfin en Algérie d'Algériens, voilà euh, confondus. Donc évidemment essentiellement des civils, mmh. hein, euh, mais aussi mais aussi des combattants. Mais euh, c'est des approximations qui sont faites à partir de, de à, à travers de projections de démographes si la croissance de l'Algérie avait été sans interruption, qu'est-ce que ça aurait donné et qu'est-ce qu'on a à la fin et donc on a perdu combien de gens voilà. enfin combien de gens ne sont pas nés enfin bref c'est un petit calcul moi il me semble qu'il est assez convaincant ce calcul mais voilà et on, aura, on discute hein, des chiffres, on en discute très régulièrement entre, entre collègues mais euh, on, a, on, a du mal à, on a du mal à être très précis et c'est assez Terrible en fait, de hein, ouais, ne ça. pas être capable d'être plus précis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un million, un million et demi de martyrs. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ça se serait vu dans la démographie de l'Algérie. La pyramide des âges, elle aurait une entaille est euh, colossale. Elle n'est pas là cette entaille. Donc euh, non, mm -hmm. ils, ils sont là. Le, le, le 1 million, ils sont là les gens. Donc euh, ça. Ils, sont, bon. ils, ils sont présents. Et euh, justement, parce qu'on touche à la fin de notre émission, comment est-ce qu'on en ah, parlait en Algérie, mais du coup en France aujourd'hui, comment, quand on est historien sur l'Algérie, historienne. Euh, on, on se rend compte que dès qu'on s'intéresse à ce sujet-là, dès qu'un personnage politique comme Emmanuel Macron, qui est président, en parle, il y a une, des mémoires qui se réveillent, des mémoires très vives. Dans le chat aussi, euh, j'ai vu un chat particulièrement euh, agité hein, ce soir, évidemment, sur certains sujets, mais vous êtes quand même tous entendus, discutés, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que ça fait discuter, ça c'est une certitude. Quand on est historien et qu'on essaie, évidemment, de, de, de mettre en place un système scientifique, des grilles de lecture sur ces, sur ces événements. Comment est-ce que comment est-ce que ça se passe J'imagine que ça ne pas être facile tout le temps. Euh, c'est vivant, c'est c'est <laughs> sympa. Non, ouais, moi j'adore ça. Non, euh, non, mais moi voilà, cette histoire avec les gens, quoi. Donc c'est super. Les gens sont là, ils réagissent. Évidemment, mmh. ils ont un avis, ils ne sont pas d'accord. Ils ont des euh... mémoires aussi. Je le sens dans le chat familial. Oui, oui bien les gens sûr. Ils confrontent avec leur mémoire, justement. Mais c est, c est... en revanche, moi, je ne sais pas comment dire, mais mon combat, c'est de faire comprendre que le, le discours des historiens est un discours scientifique. Mmh. Et euh, quelles que soient nos, nos, nos couleurs de peau, nos origines, nos opinions, euh, on, on fait une discipline scientifique avec une méthode, euh, et, et que donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Mm -hmm. On ne peut pas dire ce qui nous arrange. Mm -hmm. Ça, c'est pas possible. En fait, ça, c'est juste malhonnête. Mm -hmm. Donc, euh, il faut source... rendre, ex, il faut expliquer d'où vient ce qu'on produit, mm -hmm. et, euh, et on choisit pas les sources en fonction de ce qui nous arrange, par exemple. Oui. Donc, on, on, on doit prendre toutes les sources qui documentent une réalité et être capable évidemment, de remettre en cause ce qu'on croit savoir, hein, parce qu'il y a de nouvelles sources et que donc on va changer de point de vue. Ou ce se... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la, dans la série, on parle des grandes manifestations de décembre 1960. Pendant très longtemps, les historiens n'en ont pas parlé. Ils ne les avaient pas repérés. Et là, on a récemment un travail de Mathieu Rigouste très impressionnant d'enquête orale en Algérie. Voilà, qui documente euh, ces manifestations qui sont dans toute l'Algérie. On pensait qu'il y en avait à quelques endroits dans toute l'Algérie pendant plusieurs semaines. Et donc on a littéralement découvert l'événement. Et à partir de là, on va l'interpréter et essayer de le connecter à ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, et, et donner d'autres éléments pour, pour reproduire une logique mmh. du déroulement des faits. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une méthode historique qui fait que... On le fait avec notre sensibilité, on le fait avec nos intérêts. il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, il y a des sujets que j'ai plus envie de creuser que d'autres. Mais, mais ça s'arrête là les différences. Ça reste une méthode qui est, qui est commune et qui nous différencie radicalement des mémoires, c'est-à-dire des gens qui ont aussi un discours sur le passé. Je peux raconter le putsch, mon grand-père peut raconter le putsch. Simplement, il y a un point de vue scientifique, un point de vue de témoin. Enfin, en l'occurrence, mon grand-père n'a pas fait le putsch, mais <laughs> peu importe. Oui, voilà. voilà. Donc c'est bien sûr très différent. Et, Parfois les gens ont le sentiment que c'est des conflits de loyauté. Mmh. Il faut choisir entre ce que dit mon grand-père et, et ce que dit ma prof d'histoire par exemple. Mais, mais non, il euh, n'y a pas à choisir, il faut juste mmh. restituer en disant voilà il y a un discours qui est d'une autre nature tout simplement. Mmh. C'est ça. Et, euh, et donc une réalité qui était propre à quelqu'un, mais on l'a vu tout à l'heure, la réalité de la guerre d'Algérie, elle est, elle, en plus elle était tellement diverse ouais. d'un quartier à un autre, d'une région à une ouais. autre en, en Algérie, que il faut évidemment écouter ce qu'ont à dire les, les anciens, ceux qui l'ont vécu, mais évidemment être capable de prêter une, une, une oreille tout aussi attentive au travail et à la méthode des historiens qui... Vont euh, vous, vous permettre de comprendre aussi ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé à votre grand-père, grand-mère, euh, justement, dans cette, euh, dans cette période. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Il y a un rapport Stora, les gens posent la question dans le chat, oui. euh, qui parle d'un apaisement entre les deux pays aussi, oui. et sur euh, l'apaisement des mémoires, justement, euh, oui. aussi. Euh, évidemment, le, ce qui a été le plus brûlant, ce qui a fait ressurgir énormément. Euh, ces 20 dernières années, c'était le match France-Algérie, par exemple. Oui, bien sûr, en 98. Qui a ouais. remis enfin un non. spot sur... En et... de, 2001. Ouais, 2001, oui, qui a fait ressurgir complètement mmh. ces, ces cicatrices entre, entre les, les deux pays. On en est où Est-ce qu'il y a des mains tendues Déjà, le rapport Stora est une preuve, en tout cas, peut-être, de, de, de ce qu'on essaye d'avancer. Rapport Stora, je le rappelle, qui ouais. a été commandé par le président Macron. Par Emmanuel Macron, Macron qui est un rapport sur... La colonisation et la guerre d'Algérie, et en gros, comment faire en sorte que des politiques mémorielles euh, soient menées qui permettent euh, d'améliorer les relations entre la France et l'Algérie mmh. sur la question du rapport au passé, passé colonial et passé de la guerre. Et euh, en fait, je suis assez euh, gênée par euh, le présupposé euh, qui consiste à dire que les mémoires de la guerre euh, d'indépendance mmh. sont en guerre. Parce que je crois que les mots ont un sens mmh. <laughs> et qu'elles ne sont pas en guerre. Voilà, je pense que nous ne sommes pas en guerre. Euh, mmh. je, je ne suis voilà. Elles sont en compétition dans l'espace public, certainement. Elles sont en concurrence parfois dans les familles. Oui, mais en guerre. Mmh. Parce qu'après la guerre, on va décliner la métaphore de la guerre, on va faire la paix, on va apaiser la. la, la mmh. Voilà, je pense que pour moi c'est une facilité, une facilité et euh, quelque chose qui était peut-être vrai dans les années 90 où il y avait peut-être des choses plus virulentes dans l'espace public, plus violentes même physiquement, je pense, je pense qu'on n'en est pas là, euh, qu'on est dans quelque chose de plus apaisé déjà. C'est bien de le dire. Oui, je crois, et, euh, et qu'après il y a des gens qui s'amusent à mettre de l'huile sur le feu, euh, des politiques en particulier. Euh, et, et, que, et que voilà, on peut, on, peut, on peut facilement agiter ça, ça repart tout de suite. Hein. Mmh. Et on peut faire euh, la Marseillaise a été sifflée et les mmh. gens étaient d'origine algérienne. Bon voilà, mais alors, pas obligé non plus de faire un zoom sur ça. On, on peut peut-être regarder un peu plus large. On peut regarder qui était sur le terrain. On peut peut-être regarder mmh. euh, qui étaient ses joueurs. Enfin voilà, et combien étaient d'origine algérienne dans l'équipe de France. Enfin bon, mmh. on peut peut-être euh, voir les choses un peu autrement. De perspective, bien sûr. Et donc ne pas Toujours être dans ce sens que on va jamais s'en sortir de cette spirale de violence, etc. Mmh. Moi, je n'y crois pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la relation franco-algérienne, ce n'est pas ce qui se passe en France dans les communautés de mémoire différentes. Mmh. Et effectivement, euh, euh, Emmanuel Macron s'est heurté à un mur côté algérien. C'est-à-dire que la fameuse main tendue, c'est main tendue à qui en fait, donc il tend plein de mains à plein de gens, en fait, hein, Avec le mmh. rapport Benjamin Stora qu'il essaye d'appliquer, il essaie euh, y, y a plein de, de gestes qui sont faits dans plein de directions. D'ailleurs, il n'est pas le premier président à faire comme ça, à faire en fonction des communautés de mémoire un acte différent. À la fin, ça fait une politique, mais pour ça, il faut un discours cohérent qui tienne mmh. compte de tout. Euh, Peut-être il n'est pas encore complètement tenu, même s'il y a eu un discours le 19 mars qui était intéressant. Mais en revanche, là où il a échoué, c'est la main tendue à l'Algérie alors on était en plein Irak aussi hein, l'état algérien était extrêmement secoué euh, mais globalement on peut dire que ça ne fonctionne pas mmh. euh, cette, euh, cette politique mémorielle là c'est une politique française qui est regardée en Algérie qui est observée par l'état et par la société civile quand ça intéresse les gens mmh. mais il faudrait autre chose pour il faudrait autre chose voilà mais ceci dit et pour finir euh, la politique mémorielle c'est bien mais enfin euh, oui je pense que c'est bien je pense à ça sérieusement. Euh, mais ce n'est pas déconnecté de la, du reste de la société, mmh. et ce n'est pas déconnecté du reste des politiques. Donc voilà, euh, la question, pour rester sur le domaine de l'histoire, euh, beaucoup d'archives sur l'Algérie sont en France, mmh. beaucoup d'archives sont en Algérie aussi, euh, c'est un peu compliqué d'aller les voir. Oui. Peut-être on pourrait faciliter la circulation pour accéder aux archives, appel, par exemple. Si on pouvait laisser les gens faire leur travail. Voilà, pourrait... mais les gens ou les citoyens les qui citoyens ont envie de savoir des, des choses de sur leurs origines, euh, ça, ça serait une politique mémoriale, pas déconnectée d'une politique mmh. des visas, par exemple. Voilà, donc c'est des questions comme ça qui doivent peut-être être pensées ensemble. En tout cas, c'était un super live, c'était vraiment super intéressant. Euh, on a fait 2h30 j'espère que ça vous a j'espère que ça Aïe. vous a plu aussi non non mais enfin en tout cas sur Twitch on a le temps euh, de, de discuter tout ça évidemment c'est un sujet qui est extrêmement dense euh, avec beaucoup de choses beaucoup de nuances à apporter euh, comme vous avez bien pu le, le comprendre avec des réalités des mémoires qui sont euh, différentes en concurrence sans être en, en conflit euh, évidemment mais euh, c'était un sujet je trouve qui était important à faire et que j'étais vraiment content de pouvoir faire avec, avec toi mieux. Raphaël donc oui. Raphaël Branche qui je le rappelle a écrit Papa qu'as-tu fait en Algérie oui. euh, donc qui revient sur

plus largement sur ces, ces histoires de familles, euh, sur les anciens combattants, qui ont parfois du mal à se définir comme tels aussi. Oui. Franchement, je vous invite à aller, regarder, à aller lire ce livre, c'est vraiment très intéressant, et plus largement autour des familles qu'ont-elles entendues euh, de la part de ceux qui étaient allés euh, en, en Algérie. Et aussi, un excelli, un excellent, euh, une, excellente série de, une excellente série de documentaires euh, euh, qui, qui sortit en guerre pour l'Algérie, qui est disponible sur le site d'Arte, complètement gratuitement. Donc, si vous voulez aller ouais. le voir et approfondir tout ce qu'on a dit ce soir, eh n'hésitez pas, c'est disponible gratuitement. Et vous avez aussi sur le site d'Arte l'ensemble des témoignages qui ont été ouais, de Lina, Lina pardon, pardon, qui ont été recueillis, qui ont été recueillis, euh, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Euh, évidemment, euh, j'ai vu beaucoup de messages évidemment sur le sur le chat, euh, qui étaient très intéressants, euh, qui revenaient justement sur, bah, vos rap, sur vos histoires de famille aussi et qui euh, expliquaient bah, voilà l'histoire de grand-mère, de grand-père, de père aussi pour certains, père et mère. Hein. Évidemment, ça remonte pas si loin euh, en, en réalité. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a éclairé vos lanternes sur un sujet quand même qui est qui est très Important et je remercie évidemment Raphaël d'avoir pris le temps de venir nous discuter de avec rien, nous, de l'expliciter, de l'expliquer aux gens qui étaient là sur le chat. Je pense qu'ils ont passé un, un excellent moment. Ben bah, écoute, mais moi aussi. Merci beaucoup, en à tout bientôt. cas. À bientôt. On vous souhaite <laughs> évidemment une excellente fin de soirée. Ce live sera disponible en podcast et euh, sera disponible sur YouTube bientôt euh, sur une prochaine chaîne, peut-être qu'on va monter, dédiée uniquement à l'histoire. Peut-être qu'on vous utilise un truc, je ne sais pas. Euh, mais euh, on, vous, on vous souhaite en tout cas une excellente fin de soirée. Rendez-vous demain à 10h nous pour le prochain live. On débriefera tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a raconté là. Et, euh, et, puis, et puis voilà, ce sera la suite de nos, de nos aventures. Prochain live histoire euh, bientôt. On vous a préparé des petites surprises encore pour cette, pour cette fin de saison. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et merci de regarder de l'histoire sur Twitch. Ça fait extrêmement plaisir. Ciao tout le monde, bonne soirée.